Amen. Voici que na Jésus Christ. Acclame Jésus Christ. Alléluia. Amen. La maman remercie le Seigneur ce matin. Elle dit elle était venue dans le camp ici suite à une maladie. Et c'était quoi? Le problème, c'est qu'une fois qu'elle a ses menstruations, cela dure avant de s'arrêter. Ça ne respecte pas la durée normale. Et cela continuait ainsi jusqu'à un moment où carrément les menstrues avaient refusé de s'arrêter. Et elle est venue dans le camp ici. Elle était venue après la prière, elle s'est couchée dans le temple. Et dans un rêve, elle s'est retrouvée dans une chambre quelque part comme à la pharmacie. Et il y avait des anges dans la salle. Et elle avait le médicament qu'elle utilisait dans sa main. Et l'un des anges a dit à son prochain, retire le médicament de sa main. Et l'ange a pris le médicament de sa main et brusquement, elle s'est réveillée. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a constaté que les menstrues qui ne s'arrêtaient pas s'étaient arrêtées. Et depuis ce temps jusqu'à présent, elle a constaté que les menstrues ou la façon dont ces menstrues durent avant de s'arrêter, cela a totalement disparu de sa vie. Et depuis ce bon moment jusqu'à présent, elle est bien portante. Et ce matin, elle est là pour témoigner sa reconnaissance à Dieu, celui qui l'a complètement libérée de cette maladie. Acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mbara toa di ndona gbera na evangelist va radio a ndona radio a gomensona la dana don kuvia di mais 2021 mi baba séance le fie mi pa dimanche et mi yo ya home evangelist baba ye kebe gboma unya vo ba me sa me ne so alo darebe dole loji ngba so daro kuvia alo daro kuvia di po a npo bi kuvia le kula da si e le mio mio na nene kaka si be 30 minutes nene. Et le bel éclat de la scène, caca, ma va, on couvre quoi.
Acclame Jésus-Christ. Amen. Amen. Voir qu'elle est née comme les sions, le noir comme Abibénia, chaleur de tonale, non, menam, chaleur à Bakoto, vendredi, mido, gras soir, ye, nani, djinko, boutika, jour ou un edidja, quoi, m'le po, fou, quoi, yon balèse, gabena, ou le po, anikoa, anikoa, mousso, kengbe, amevoin du obo, la transo, aniko, prématuré, aniko, kema, passo, yodo. Yé un site kwa mwen kan, e o baba, ke mwen ken kwa yon so sida ngome. Zereka, zereka msou. Seconde de kwa, e le ke chaleur akudo. Si yale toa, e to te zereka. E to te. Hallelujah. Mwen mek pata fana. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Brusela. Hallelujah. E doa chan, ke mjwa ongba o doa namo. Mtrove e o bilan. Amen. Alléluia. On travaille au bilan, au échographie. Nous sommes le nuire. Début de cancer. Nous sommes le pobre. On a des bouquets. Voici que la Yesu là. Acclame Jésus. Oh, alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Janvier 2024 ya Yesu gba odo ganre nam mba le santis gbe palu ne ne kwa ma po kwa ntinye pata gble nkunye me pata tin e vo ntinye mba le sigbe e tambe ntine ne e ntia pata fin vo ho na zo e mba va toa di le fi mu konji on atike na o ba le ji ko to mza o kaka e glo kwa ntrova toa di e mba va to gbera le nya pore me a Yesu Kristo ba yo donan le 3 jours me antinye kokeke me te kunye me te ko to keke wa nti afisi afi e nsi anu kole nti amen 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 de ken ya di jombe ma ba da pe ne amauga ke wo e to ga ona ma haleluya amen ma to na mi ade le tepe ya bena no cho va tepe ya ko esebena mawi ke le tepe ya mu vi beblebe mawo nka gba ke o sova nka dolele ya o nka kuhe ko sova o yesu le tepe ya mawu ba me agbona bena ele amsi anu ko le mole toa mawu le ba wu mele ndia e la e awon e me ke belia e la do o ya hia on ti don le yesu kristo be come mawu de do e do ko fi ambe jehova rafa jehova rafa wa ne yo to na mi are challenge ya. Amen. La maman remercie donc le Seigneur ce matin. Elle dit durant 6 ans, elle a souffert des maux d'yeux. Et lorsqu'elle est allée à l'hôpital après analyse, on l'a révélé ou on lui a dit
qu'elle souffrait du glaucome. Et on lui a fait des prescriptions qu'elle a utilisées, mais toujours le mal était là. On lui a prescrit des verres qu'elle a commencé par utiliser, mais le mal a refusé de disparaître. Et d'habitude, elle vient dans le camp ici et elle suit également le ministère de l'homme de Dieu. En mai 2021, l'homme de Dieu était venu à la radio JVA et il prêchait. Et il fut un temps où il a demandé au malade de placer les mains sur leur maladie. Elle a placé les mains sur ses yeux. Et pendant que l'homme de Dieu priait, elle avait les yeux fermés. Il fut un temps où elle a constaté que ses yeux coulaient. Elle ne faisait que verser des larmes. Et cela a duré environ 30 minutes. Et jusqu'à ce qu'elle n'ouvre les yeux, elle a constaté que les douleurs qu'elle a traînées sur ses yeux durant 6 ans, les douleurs ont totalement disparu. Les verres qu'elle avait l'habitude d'utiliser, elle a abandonné ses verres. Les médicaments qu'elle avait aussi l'habitude d'utiliser, elle a abandonné ses médicaments. Et depuis 2021 jusqu'à présent, elle est bien portante et elle tient à remercier le Seigneur. Toujours en 2021, notamment en août 2021, elle avait développé des malaises au niveau de son ventre. Et lorsqu'elle est allée à l'hôpital après analyse, on l'a dit que c'était un début de cancer. Et la solution que les médecins avaient trouvée, c'était d'amputer son utérus après une intervention chirurgicale. Elle dit tellement elle avait les douleurs au niveau de son bas-ventre et elle avait également des liquides bizarres qui coulaient de son appareil génital. Elle a tout fait pour la guérison, ça ne marchait pas. Lorsqu'un jour, elle a décidé de venir dans le camp ici. Et elle était arrivée un jeudi soir. Et le jeudi, elle a fait le tour du temple jusqu'au 7e tour. Au 7e tour, elle s'est pointée dans l'angle du temple où elle a commencé par prier lorsque brusquement, elle a entendu une voix qui disait « Je suis le Dieu, celui qui t'a guéri ». Et elle dit aussitôt après avoir entendu cette voix-là, elle a constaté que les douleurs qu'elle avait au niveau de son bas-ventre, les douleurs ont totalement disparu. Et après cela, après que les douleurs aient disparu au niveau de son bas-ventre, elle dit qu'elle avait toujours des brûlures au niveau de son appareil génital et toujours ces liquides-là qui coulaient de son appareil génital. Et le jour-là, il y avait eu une petite pluie et elle était sortie et elle allait lorsqu'elle a entendu une voix qui lui disait « C'est pas l'argile que je t'ai fabriquée, mais les êtres humains ou tes ennemis veulent que tu deviennes prématurément de l'argile. Mais c'est par cette argile-là encore que je vais te guérir. » Aussitôt après avoir entendu cette voix, il y avait une boule, une boue au sol quelque part. Elle a puisé de cette boue qu'elle a passée sur son ventre ou son bas-ventre. Et à l'instant T, elle a constaté également que les brûlures qu'elle avait au niveau de son appareil génital, ces brûlures ont totalement disparu. Les liquides qui chuintaient également de là, les liquides ont totalement disparu. Elle s'est sentie complètement libérée depuis ce jour jusqu'à présent. Elle dit également qu'en janvier dernier, elle a connu une infection cutanée. Tout a été fait pour sa guérison, mais ça ne marchait pas. Mais toujours lorsqu'elle est venue dans le camp ici, par la prière, le Seigneur l'a complètement libérée. Aujourd'hui, elle est bien portante, elle a recouvré la peau normale et elle tient à remercier le Seigneur. Acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Et mia dada be yadi dase moi se gbenyero. Et be baba me be gbeka yi mona ni kudrene. Kwa ipo be ya fiade e ipo mado so akpavi so dare e joji. Alo so dare gajare ji o to na ibe ni so dare joji. E so dare joji kwa. Et si vous l'étiez, vous avez dit que 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 vous avez dit
il n'a fumé qu'à voir, ton troll qui me le va. Et nous, on va laisser ses régies, il va glouer, il va va, et toi, j'y le a fi. Que il va va, toi, j'y a. Que y'a bon à caca, y'a va deux secrétariats, alors que y'a bon à bec, y'a deux maudits, qu'un baguette, toi, mea. Ami, il y'a bon à aller, tout n'a pas été, il est fier de bec, pour moi, pas mea. Be elle est noté de mort, mais à me semble qu'il bonnait, toi, j'y ne va refuma, ma pas madame à sirégie. Quoi que y'a va deux fois, il pourrait d'assirer chaji. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Et me gbe a o so pa me no. Kaka o va jo, o pa gbodura kaka o va jo kwa be im dana lo chan. Im du na nu. E ti no no cha do e vo ke va pa ka ya jo nu mo kata o note. I va ton lu lu to lo dodo. Nu si anu ba le nyere. Kaka va se re e gbe a. Il nyere e be 2019. Ye noa wo ye va fi kaka bana gbea na de kemega wo ipo kwa iva ndia be ava adape na mau ameike wo doya la be agbabu iba so va be dape va isa mo iba dira se o agbabu iba so va voa ile se gbea be kemu wo no mgbolo ga vale ba bia kwa ye wo be atova adira se be mau ne wo eike itova. Amen. Amen. Alors la maman remercie également le Seigneur ce matin. Elle dit qu'un jour, dans un rêve, elle avait vu qu'on avait morcelé des poissons qu'on avait mis dans une marmite et on l'a demandé de mettre la marmite au feu. Et elle dit, le faisant, elle a coupé une partie de ce poisson-là qu'elle a mangé. Et brusquement, elle s'est réveillée de son sommeil. Réveillée, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus bouger de son lit. Son mari est venu parler avec elle à plusieurs reprises. Elle ne pouvait plus répondre à son mari. Et c'est là, immédiatement, elle a été conduite à l'hôpital. D'abord, chez leur pasteur qui a prié pour elle. Ça n'a pas marché. Elle a été conduite également dans un centre de prière. Des prières ont lieu dans ce centre. Ça n'a rien changé. Avant de venir dans le camp ici, après l'enregistrement au secrétariat, elle a commencé par marcher. Et lorsqu'elle a... Alléluia. Amen. Maman, mi de kunka Yesu wala mi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Mba uwo nu ga ona me dibe ma dakpe ne. Gba me dakpe na ma opa me a. Ebe ha da olosun akple via o katsa me dakpe na ma odo apa gbeta. Okay, ma uwo nu ga na. Ma gbon be na me vana to ya jihoho. Voir Magble cha 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 que papa va au ministère les télé sous assemblée de Dieu mais ha mea mea ma ou yo donna vini e isu kulu kwa tu gbeje vie e o ko eva na be n gba télé son a fo ve asi a fo ba si lo be a fo wi a fo yo ko eva me o en to so isu kulu avant yesu de le miasi. Amen. Pa mi toji mi konjo mi toji que papa va au ministère. Hey, Thomas, ba me nu veve me a. E po doyo yo. Amen. Be ki a me veve vale na kuna duenti. Be te yi na school voa. Thomas, ba me nu veve me a. E po doyo yo le. Te pia etati wi etati be ki a afua o chone. Thomas, ba be ni so eva de strong. E be so fu so fo. Po e di sava gbonye jivi. Ye mi va be a neva no gbonye vire lo po a. Nous on est pour du va bien et c'est bien et bien il faut fouder, il be avoir pas bien faut fouiner au ma. Il est bien un jivi, yo, il be avoir pas fouer des deux jivi ma. Oh. Il quoi, il fume superviseur là. Alléluia. Alléluia. Avoir déjà les lo. Yesu la fouchi, mi a notre quoi na mau. Ye be a ba po fu e se be fo fu po a e vi po be vi po ejo ba po ma ye ejo nya e npo srodo ma ye ejo le yi npo srodo ye le po srodo ye ba po srodo ma ye pele bo de ye ti o di be a ba po fu a ye ba po fu a ye ajo pele bo do wa ke be lo be ma gba jivi ma jivi gbede gbede wa ye ye ba fo fu ka jivi ye le fi e ma ye ejo nya e ma o wa mi jo le po e eno ye cha le pa mi jo le po nbe o enya ko le gbon ya eh bi a ba po fu ya e jo ba po bebe fi ma ma u kenin ma wa subo mi le ma. Yeah. Hallelujah. Atura be ma u ke wo jifo kura yin gba e
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Boa. Bien be pauvre mawuye. Kata subo subo mawuye. Ye mi le subo. Amen. No we ala gbon kuju kuju. Egbe mu le sebe don ka don ke vinye le plibua. O we be magbaji vi oye. Voa. Yesu du chinami. Amen. Eji. E fe ko agba le pone. Hallelujah. Amen. Que de via ba sin la soin. A fam ba le ko. A fam ba le ko ba ba poaji. Ba ple brasele a sona no abene so do afone. Et ça doit faire trois jours pour essayer de te faire. Alléluia. Alléluia. Ah, Vivia, il faut que tu fasses. Obe famille. Obe famille ame. Vwa be ma wude le pove wone be na mo wa franchine a limite ko do na wa wa franchine. E vinye la ko proba la gba ho ke. Yeah. Ye mba ba fi mba dogbera so bi ka so ple. So ine be yi proba ma wo so proba dalom no to bi ki aji nya te pe ayo fo edamble. Amen amen. Ma ke va da pe ni so uti va yi. O va. Ye mba va. Pe a da pe. Ye mbe ma da pe. Amen. E be togwe ni be na. No vinye de ka. E dog brene la vome. Va ke nye te va va wa msona ebe foto ne pa palo a misyon be. A mo ko leji dog wa msona foto a tena do. Radio ti. Oui, be na toane do la mene ne wa yue. Alleluia. Amen. Kaka la un mois oyo no vinye le dog garde me. Alleluia. Alleluia. Oyo le dog garde me. Ye mbe ti chom ma wo no gona va me ton wa impressionne be ma dakpe na ma be na na me de le toya ji ye ton po va wa no no mo popo me be ma wu ja we ne. Amen. Ma wu la we no kata subo su la we no. Amen. Ma pe se ke da pa ma cha va la we no. Amen. Ka be ji. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. La maman remercie donc le Seigneur ce matin. Elle dit en 2018, lorsque l'homme de Dieu avait dirigé une campagne d'évangélisation à Télesso au sein de l'église des Assemblées de Dieu, sa fille était élève à l'époque. Un jour, elle est allée à l'école et on l'a transportée pour amener à la maison. Que s'est-il passé? Il a été révélé que les pieds de sa fille s'étaient rétrécis. La taille normale des pieds ont totalement diminué au point où elle ne pouvait plus marcher elle-même et elle ne faisait que s'accrocher à des béquilles avant de pouvoir se déplacer. Et dans cet état, lors de la campagne d'évangélisation, sa fille aussi avait participé au programme et par la grâce de Dieu, elle a reçu sa guérison lors de ce programme-là. Et elle a abandonné les béquilles, elle a commencé par marcher elle-même. Et après cela, le Seigneur l'a fait grâce et quelques années plus tard, elle s'est mariée. Et après son mariage, elle a eu d'enfants. Maintenant, après l'accouchement, sa fille est venue rester chez elle à la maison. Ils étaient ensemble à la maison un jour, lorsque une femme est arrivée et elle dit, « J'ai appris que ta fille s'est mariée et apparemment elle serait enceinte. Est-ce vrai cela ?» À la maman de dire, « Oui, ma fille, elle s'est mariée. » Elle est enceinte et elle a même déjà donné naissance à un enfant. Et à la dame de crier, moi j'ai juste appris qu'elle est tombée enceinte, je suis venu pour voir la grossesse et pourquoi est-ce qu'elle a déjà enfanté. On ne sait pas si elle est superviseur des grossesses. Et c'est là, elle a commencé par dire qu'elle était là pour simplement voir la grossesse d'abord. Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant d'enfant que la maladie dont elle a souffert entre-temps. On l'a dit qu'à cause de cette maladie-là, elle ne pouvait plus tomber enceinte ni avoir d'enfant. Et la maman dit que c'est là qu'elle a compris que le mal dont avait souffert sa fille en 2018, c'était les méchants qui étaient à l'origine de cette maladie. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a totalement délivré sa fille. Elle s'est mariée, elle a des enfants et elle tient également à remercier le Seigneur pour la vie de sa fille. Maintenant, cet enfant qui était né lors de ce scénario, à l'âge
ou l'âge que cet enfant devrait avoir pour marcher, à cet âge-là, l'enfant ne marchait toujours pas. Et c'est là la maman dit qu'elle est venue dans le camp ici et elle a acheté le bracelet de ce camp de prière qu'elle est allée remettre à sa fille et a dit à sa fille de porter le bracelet au pied de son enfant. Et sa fille l'a fait. 3 jours après, l'enfant qui ne pouvait pas marcher a commencé par marcher et même il a commencé par courir. Et la maman tient également à remercier le Seigneur pour cela. Et pour clore, elle dit qu'elle a également un petit frère qui chômait. Et lors du ministère de l'homme de Dieu, à chaque fois que l'homme de Dieu rend ministère, elle prenait la photo de son petit frère qu'elle déposait sur le post-récepteur et disait que spirituellement, son petit frère est en train de recevoir son boulot. 1 mois plus tard, le petit frère a été appelé dans une grande société en place et actuellement son petit frère travaille et elle tient à remercier le Seigneur pour cela. Elle dit également qu'elle a un enfant qui faisait la classe de la première et d'habitude, lorsqu'il tombe malade avant les examens, il revenait toujours avec échec. Et étant dépassée, elle est venue dans le camp ici et elle a prié à ce que le Seigneur fasse grâce à son enfant. Et avant de repartir, elle a acheté un stylo dans le camp ici qu'elle est allée remettre à son enfant lui disant « Mon enfant, c'est ton bac 1 que je te donne comme ça. » Effectivement, lors des examens, son enfant a réussi brillamment à l'examen du bac 1 et elle tient à remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. Acclame une fois Jésus pour la vie de la maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'accord, maman, maman, au yodom. Et dolele ki mle 2019 a nkeke de ka mercredi bia mpodo yoyo. Nuka yo. Eji ke ja mercredi wa ye ji wa le ja afonya meve ya. 2019 wa mnyi tonyo. Emele trileke même yo kam fe su ha yim sena. Nde to wa o manyashon afo akudare. E kudare. Oh. E ja le ja ko a. Ye mi si te la kwa ya valeke. Ye mdofma ha e ja le gay de ka de ka kwa mvale se bedira benade. Oh so afo so hesia. So afo so hesia. Ye nya tepenya. So afo nye so hesia. So afo nye so hesia nene kwa. Ke ja ja vo yimikpa mvale Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Les gouttes d'eau qui tombaient du haut. Depuis 2019. Oh, alléluia. Amen. Et bien, c'est bébé. Tu as fait la church social. Amen. Amen. La maman dit depuis 2000. La maman dit depuis 2019, elle avait connu des malaises au niveau de ses pieds au point où elle avait perdu de sensibilité dans les pieds. Et même si quelque chose la pique, elle ne pouvait pas ressentir de douleur. Elle traînait encore le mal avant de venir dans le camp ici cette semaine. Et le mercredi, lorsqu'il pleuvait, elle s'est déplacée du lieu où elle était pour bien rentrer sous le temple. Et lorsqu'elle était arrivée dans le temple, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient des tôles. Et c'est là qu'elle a entendu la voix qui lui disait « Mets tes pieds sous ces gouttes d'eau ». Et les gouttes d'eau tombaient sur ses pieds. Maintenant, après donc la prière, elle a essayé de pincer le dessous de ses pieds ou de ses pieds pour voir si vraiment elle a recouvré la sensibilité
Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que lorsqu'elle a pincé ses pieds, elle a senti de douleur, ce qui vient confirmer que cette sensibilité qu'elle avait perdue de ses pieds depuis 2019, seulement le mercredi dernier, le Seigneur l'a complètement guérie de ce mal. Et ce matin, elle tient donc à partager son témoignage avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie et je lui ai promis de venir témoigner et de rouler pour lui. De rouler au sol pour lui. Oui, oui, oui. D'accord. Que s'est-il passé avant que vous n'arriviez dans le camp ici? Okay. Et il s'est fait que je travaillais à son côté dans un hôtel. Je suis cuisinière. Mm-hmm. Donc, il s'est fait que suite à une maladie, j'ai perdu le travail et je chemais. J'ai croisé un homme qui m'a fait des avances. Cette maladie-là, vous êtes venu dans le camp? Et j'ai croisé un homme qui m'a fait des avances. Maintenant, ce dernier m'a fait des avances et bon, il me porte des aides. Et bon, à un moment donné, et j'ai demandé, je lui ai demandé s'il ne s'est pas marié, il m'a dit qu'il a perdu sa femme. Qu'est-ce qui était à la cause de la mort de sa femme? Et il m'a dit que c'est comme ça, ils étaient ensemble. Sa femme lui a fait 6 enfants, dont le premier est à 27 ans. Mais la femme sortait derrière lui. Et bon, suite à ça, la femme est morte. Donc j'ai poussé ma curiosité. J'ai demandé à une maman. Elle m'a dit qu'effectivement, il a dit que et quand la femme sortait derrière lui, lui était allé au Bénin faire des choses. Mais lui ne savait pas que la femme va mourir. Voilà. Et la femme était morte. Mm-hmm. Donc. Et après cela, ça a finalement marché entre vous? Oui. Non, après cela, j'ai encore poussé mon enquête chez une dame. Et elle m'a dit que c'est comme ça, ça s'est réalisé. C'est lui-même qui a tué sa femme. Et j'ai dit que là, si c'est ça. Bon, je vais commencer. Tu vas te retirer. Oui, j'ai commencé par prendre mes dispositions. Et bon, à un moment donné, j'ai trouvé du boulot à Lomé, je suis partie à Lomé. Mais il n'était pas d'accord du fait que j'étais partie à Lomé. Mmh. Et il me faisait des menaces que pourquoi moi j'ai quitté, lui laisser, que bon, moi je vais voir. Suite à ces menaces, je lui ai dit que non, que si ça n'est ainsi, que cela s'arrête entre nous. Mmh. Et à un moment donné, j'ai rêvé une nuit que c'est comme ça. Il est allé chez les charlatans et il m'a envoûté. Suite à ce rêve, j'ai commencé par faire la dysenterie. Et la dysenterie, et pour aller au sel, c'est pas que je fais le sel un peu, c'est beaucoup, mais c'est les morts seulement. Et je priais. Le Seigneur a emporté la victoire. Maintenant, en nouvel an, ça m'a repris encore les mêmes choses. Le 1er janvier 2024? Oui, oui, oui. Même j'étais au sol jusqu'à ce que je voulais. Bon, et finalement, vous avez suivi le ministère de l'homme de Dieu ou vous êtes venu dans le camp ici? J'en viens. Donc, il y a certaines personnes dans mon service, les chauffeurs de mon service, ils m'ont demandé, est-ce que quelqu'un m'a fait avance? Et j'ai refusé, j'ai dit oui. Et que les gens font comme ça pour pouvoir fermer ton cesse. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit en banque oui. Donc, et j'étais là, ils m'ont demandé si je me suis donné à lui, j'ai dit non. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je me donne à lui, comme ça, quand il va faire les choses, ça ne va pas réaliser sur moi. J'ai dit non, je ne me suis pas donné à lui. Donc, après ça, bon, j'ai prié et Dieu aussi a remporté la victoire. Mais la fois dernière, la séance passée, quand j'étais là, je sortais du service et je marchais, ça m'a pris fortement, comme je savais, mais j'étais sur le goudron. Et j'ai appelé Jésus, Jésus, je priais, je me suis efforcée pour ne pas tomber. Arrivé à la maison, j'ai pris le produit de sang et je croyais que c'est le sang qui me manque. Mais
Et j'ai appelé une maman et m'a dit que ce Jésus qui a toujours apporté la victoire pour toi, il va toujours combattre pour toi. Mmh. Et j'ai dit amen. J'ai appelé un homme de Dieu, il a prié pour moi. J'ai senti qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. Et bon, après ça, je ne me sentais pas parce que je n'étais pas forte. Dans tout mon corps, ça bougeait. Et j'ai senti en même temps que mon sexe s'est fermé. C'est fermé, ça reste un petit trou que je peux uriner. C'est tout. Et j'ai dit à mes chauffeurs, là, ils m'ont dit que donc, si ça n'est ainsi, ils vont chercher quelqu'un de bénin, il va venir me faire les choses. Donc, la personne va venir me faire les choses. Et j'ai dit, ah bon, j'ai appelé la maman, là, lui dit qu'il n'a qu'à appeler l'homme, là, lui demander, j'y vais aller. Mes chauffeurs, ils m'ont dit que non, que de ne pas lui demander. Si je lui demande, il va nier, il va passer par autre moyen encore. Donc, ils vont voir ce qu'ils vont faire. La maman m'a dit de venir rapidement à Kobe. Et j'ai dit, d'accord. J'ai quitté, je suis arrivée. Je suis arrivée en même temps. La séance est finie, j'ai fait 24 tours. Quand j'ai fait 24 tours, je me suis sentie un peu mieux. Jusqu'à ce que la séance ne finisse ici, j'ai commencé par uriner et j'ai vu que mon cutéris a commencé par monter. Et il y avait certaines démangeaisons sur ma peau. Et d'autres disaient c'est le foie, d'autres disaient c'est la datre. Mais bon, quand je suis venue ici, j'avoue qu'ici, il y a le Jourdain. Quand j'ai commencé par me doucher l'eau d'ici, j'ai vu que les choses là ont commencé par disparaître. Et j'ai une peau neuve. Et quand je suis rentrée, quand la séance est finie et que je suis retournée, j'ai commencé par aller au WC. J'ai vu que mon sexe est en train d'ouvrir. Et puis j'ai demandé à Dieu. Il n'a qu'à prouver à cet homme-là que j'adore un Dieu vivant. Je suis dans un ministère qu'on ne blague pas avec. Je suis la fille de Dieu qu'on ne peut pas me toucher. Alors s'il a tué quelqu'un qui ne connaissait pas ou bien Dieu, qui ne savait pas les prières, moi, on ne peut pas me toucher parce que je fais partie de ce ministère. Jésus est la solution. Amen. Et j'ai dit à Dieu, il n'a qu'à, et mon sexe, il est allé chez les charlatans pour fermer mon sexe, Dieu lui peut ouvrir mon sexe. Et c'est ainsi, Dieu a ouvert mon sexe et j'ai commencé par les menstrues aussi étaient arrêtées. J'ai commencé par faire voir mes menstrues. Je rends grâce à Dieu. Amen. Acclame très fort le Seigneur pour la vie de la sœur. Alléluia. Amen. 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 Eh bien, les amis, il y a des gens qui ont été donnés. Ils ont été donnés. Yem desro ile disabe adesro ta wuso de va ko ye o dongbe na be ya de kwa isa ilone o ke ye dom ba ba le isi wa a ekpe na re ti nana ega kwa isa ihone fifia va va do me be yi ya de a I ba le bi wuso se be na de esro mo le si a e be yi desro po ka ka yi vi be yi vi banto la ko pe blavo vandre ou bien c'est 27 ans a ko pe blavo vandre wa ye e me be a il est bien sévéré. Alléluia. Amen. 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 Voilà, je vis Kabbala. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va le bien sévéré. Nous avons eu un sro. Il est au dé, il est au dé, il est au dé. Il est au dé, il est au dé. 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 Il est nous il va au menya menya non la cour elle est globée Israël to ou amebuota il va au nu que il va au nu nous il va au nu il va au ina nyono va kuta menya benu il va il est à elle a ouvert nyono quoi nyono va ku il va bien comme la fibouche amelicha kagona il est à ne le lekia ameya il roule de monnaie zirika quoi
Il faut quoi d'homme, va le donner pour quoi? Il va le des, au grand avis, six pieds, les gazelles, les métiers, et n'a pas mis à terre, et là où il blavé. Et nous, le voyez, il est caca, il sort de Bedouram, quoi. Pour le mot, pas mon VBA, et va noter. Et caca, miagado, et payape, et gomme de Gia, et nous, gava, on a été, et il y a que nous, gava, on a, il a sorti de Bedouram, pour le mot, pas mon VBA, quoi, et va, et va, et va, nous, il y a de quoi. Nubo gabato yowo ibe la me va trode de kaka iba le do jesibe ipe nyonu nyenyala e va tu kaka moreke me bale fima ke adidodo po ko iba kotonai enwa vale de fuobe asiro anicha enote yin gba vale po iroko enwa eleji nene yo pe do me toro va tuna ibe iwa po iso ira mere gba lu yo mere to bene elava po enyama gbonai ye igbo na nyonu decha le numero ba nyonu aya me jasire jibe amemane va wo enwa na yo ye le tuna ibe yi ne va eto yi la fi le yi ma me katara ye ben agbazo cha eto gbegbele na no vale kore agbazo china yi amo be jiye amo le gbo be apa alo flibataye aha okay be ibe adom e podo cha te nkumo ke te te na yi ye yi va va eto ji e ke yi va eto ji a ple yesu a mau ko ba si ji e ye le gbedodora me a yi po be mau dasi e dore me le pa gbe me eye totro eleva le yiye nwo le wo yi keke yi po be ile po totro ko kaka ya va ajo le toje ajo ya pe me a mawu odo yi ye be nyonu nyanya etro gbo va le yi wo le cha etro emo va va asiro nyi cha va va nei yi pe agbaze ke yi va le chile pa ya me kwa kaka ya jo nu yo kata kore pa agbaze ntia o kata wo bu keke kaka ya yi domo ke yo to po ya o be o le ke no va iro ibe a yi va fi kwa ibe adakpe na mawu ameike wo edo ya nei ela be igbona ma ube amema ile woni ma erula wona ne achofie ne wa nyabe maude le isi eye ewera me gba ntotivo ya itovo i chaka ple etoreji amisisire kwa mau ko basiji e de dokofia ile la mesemea egbia iva be ya dida se adakpena mau amen amen ebe yi be ya blibona maule nu ona ya me ta ne wa blibo amen. Amen. Merci à Dieu, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu sur cette montagne, qu'il Amen. Bénisse tout le monde sur cette montagne. Amen. Et je vais encore revenir témoigner et je vais chanter mes cantiques. Je suis compositrice des chansons, je vais chanter mes cantiques. Le Seigneur va me donner un mari, je vais me marier, je vais avoir l'enfant et l'homme là, il va voir qu'on ne fait pas avec n'importe qui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise la famille roulée au sol pour le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Fofoga. Va. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mi jak baba, non nous vio, non nous. Ne nous allez via Micha, nam revari. Mi dogueralo. Mi dogbera ma no chi ji ko ah ma wo e de va ye ko va gejeme ya no munya o da fo mo bo ye obi a wa to le bela amaro be ji minyo na maro ye wa tonu toto ko kaka ne menya ne menya ma we venu wa ele he mone menye nyonu nyenye la no si wa de sura etu mone ele he mone gbidi ye ale do barare akupo abele ya me gba to ku ene ta nyonu gbona no vio la kaji be ne po mere ya dogbera lo. Alléluia. Femme, dis à ton prochain à côté de toi ou à ta prochaine à côté de toi, si tu rencontres un partenaire de vie avant de t'engager, prie. Amen. Prie avant de t'engager. Où tu toi, homme aussi. Où tu t'en iras où l'eau? Non, mais encore, va dro à Hovi. Mais ça donne un bloc à dire que quand elle est dans le cas, elle a reçu Dieu quoi. Pim! Alléluia!
Praise the Lord. Alléluia. Mi ele hia mi avoa, mi a dogbera, ne maune chonami. Certes, nous avons besoin des partenaires de vie, mais avant de nous engager, prions pour que le Seigneur nous oriente mieux. Amen. Amen. Surtout, chrétien, ne t'engage pas avec quelqu'un du monde. Ça, c'est le pire des cas. Amen. Amen. Isaac, il y a des soronais, mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Eye nya yi ogboro tututu be ameyi adogo ye nya me gbanto wa kuchina ye anayi chi eteji wanula ke mafio be amemaye nya yi be apeto be evi be soro eva me nene tututu edogbera mawe ta omo jen esro de de ya ne dafo me ya nya ji makpale ne so adere ta edole ti o wonalo edole ti o wonalo. Amen. Le mariage, avant de s'engager dedans, il faut travailler dessus avant de se lancer dans cet engagement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je tiens sincèrement à remercier Dieu ce matin, car il m'a fait beaucoup et il m'a fait grandes choses. Il fut en 2013 que j'étais tombé malade. Et après mon rétablissement, j'ai commencé par traîner des symptômes de bégaiement. De bégaiement, ok. Donc je n'avais plus la parole si facile. Les amis se moquaient de moi à l'école. Je n'ai plus l'envie de faire les lectures. Quand on apprend à l'école, je demande à Dieu seulement qu'on ne me désigne pas pour faire une quelconque lecture. Parce que je n'ai pas toujours la langue facile. Mais le Seigneur m'a fait grâce, je priais à l'école. J'ai traîné ce mal durant 7 années. 7 ans. Plutôt, durant 7 ans, et à un moment donné, j'ai appris de ce ministère de l'homme de Dieu d'ici. J'ai commencé par suivre le ministère de l'homme de Dieu sur les antennes de JVA. Et par la grâce de Dieu, mon bégaiement est parti. Disparu. Est parti, je suis libéré. Aujourd'hui, je fais les répétitions aux enfants. Je peux me tenir, faire de l'enseignement, parler sans peur, sans crainte et librement. Acclame très fort le Seigneur pour la vie du frère. Alléluia! Amen. De même, en 2020, c'était l'année où j'ai passé mon bac 2. Et juste après l'examen, en septembre, nous étions venus dans le camp pour prier. Et j'avais 3 grandes requêtes principales. La première, c'était avoir un bon résultat à l'examen. Le secondo, c'est d'avoir la réalisation de mon certificat de nationalité. Et le troisième, c'est de reconnaître mon papa biologique. Alors, quand notre maman nous a donné naissance, nous, on n'a jamais connu notre papa. Jusqu'à ce que je n'aie mon bac. On n'a jamais connu notre papa. Et c'était devenu des murmures sur moi, des injures sur moi. J'ai prié Dieu, j'étais venu, nous avons prié, nous sommes repartis. Par la grâce de Dieu, plus tard, en mars 2023, j'ai fait la reconnaissance de mon papa biologique. Amen. 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 De même, à l'examen, les résultats du bac ont été tellement merveilleux. J'étais admis avec mention bien, 15 de moyenne. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles. Amen. La nationalité, cette année, elle est en cours. Je tiens sincèrement à remercier le Seigneur. Amen. Qui m'a fait grâce. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Mia fofo be ya dakwena mawu le ndi ya la be educhina yi. Ebe va me be il est school yi mbado yi ya dia il va le donner. Et dole la be fofo me kwa il va kukona. Et les vies à Glognard et Cafifia à vous le coin quoi Eva Zou à l'homme de l'Ibescool ou Vio Ti, on a d'alome l'intibé, il me faut un numéro. Webé, il de y soukoula et il blonana maube ne oléa ou dollar et au moba yo, Yvonne, à notre brabe, au moba yo ybe et il deva chelou à loa ou mia doré ike à doukoun boga toy coco et nina nuka karenaï. Et va va me be et une tonu ma me kaka homme André ye il va Jessie Godura Peya quoi mon pas ma ne va no do homme le radio là
va grona ma ube na bele ipe bak yila ya to ba pele jiduru nyeto be jesi nyeto eye veliala ibe nationalité il est dibe ya awe et tongwala ye be jesi yito be ke yo no jiola yo kata yo mu jesi yo to kaka yi ba ho ibe bak ye be jesi yito icho ni ma kata cho da asina ma ube ma ude wenai e nya tepea mau webe ke iba do gbarala baka ikwe takle jiruru nyeto ke ipo jesiwi aton enye lui do jina ye vegwa le c'est 2023 ou bien 2024 après imie do gbe baya iba kere ito ike ji ito ye ine ito iba kere enti ye e do jina yi ye nationalité ha e ha le ye pe emoji kwa ijibe ya de ya katape akpena mau be e woto nyo yawo. Amen. Amen. Nemi ja fosi pa na Yesu ke gbe ni lo wa tien 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 na re ma vivi na na oro. Si vous voulez acclamer le Seigneur, ne le faites pas légèrement. Faites-le fortement pour qu'il se réjouisse de vous. Fosi pa na Yesu la. Acclame donc Jésus. Alléluia. Amen. Au amen. 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 Mau ne yirao. Dieu te bénit. Alléluia. Amen. Et mia fofo, mia dada, mia novio, mia tokle, mia nodewo. Obe mia dakpe na mau na yewo. Eye le toto ya jia, yo vakple akbao, yo tso akbagere ova mau we. Yo le akpe damne. Eye tokena mia dadado le moji America be isro ele dolem o America be isro le dolem kake kple ministere ala ma ukwe basiji eye dolelia evone e America be ma uje dore komeli pak bebe le yu to dojiroa ile akwedamne be wa koto ayeji awenu kafi mia noroga be afoku sesede va jolo yo ba pe mi be abere le wotona yo ye belia eji le potoji poto koko meta o ma de ko ye ko poto anekeli be jani vo pele yesu la ma ko ba siji ye ndeke mejo ku be nya me va o ami ale seseria yo le ya o kata pe ape jamne mi ano re ga be ino ke ino togo le fia e fe ga de ba je iji ye febe nyaba we kaka iba kate notu omo iba zomo iba joire jubume kwa inotu omo ya ibe do yo wo keke ya so le tufe kwa mau I konete na kwa ministere ya be mau me ga wo be hunne pe yo ne pere ti atufe ya mau we be leti ya memi le masia efe ibe do megbe 2023 be masa ye itu efe potea ke ile tu fe pato avazirika maundro yirai e ifle anigbale mars mame ke mau na yanjigba ya gbolobe mars ya melekia ye anigba I mau chona ya ituye be gacha o be vokeke kwa e be do yi mau ona yela e jojina ye po iso e po iviota po ito e pa gbeta ye yukata yo le se seria ye ile akpe damne le yepe domunyo tabe ne poto waga wo gawo ne ena yanji babo e kure gbobe wa yirai ne yawo nani ne jibe ape ganwa ya gava adene amen amen ya alleluia amen. Il y a plusieurs personnes qui nous recommandent de remercier le Seigneur en leur faveur, notamment une sœur en Amérique qui a son mari qui était tombé gravement malade, et par la prière ou par ce ministère, le Seigneur a guéri son mari. Elle tient à remercier donc Jésus pour la vie
de son mari, également une maman qui nous recommande de remercier le Seigneur en sa faveur parce qu'il y avait un chantier en cours dans leur maison. Il y avait un monsieur qui travaillait sur un poteau de 6 mètres lorsque brusquement le poteau s'est cassé et il est tombé du haut. Mais par la grâce de Dieu, rien de mal ne lui est arrivé et ils tiennent à remercier le Seigneur. Plein sont ces personnes-là qui nous recommandent de remercier Jésus en leur faveur parce qu'elles sont venues dans le camp ici avec différents problèmes et par la prière, Jésus leur a donné solution. Amen. Et monsieur, remercie également le Seigneur parce qu'entre-temps, il était allé dans la maison de l'homme de Dieu et on distribuait de petits cadeaux aux gens. Et lui aussi, il a reçu l'un de ces cadeaux lorsqu'il l'a ouvert. Il a constaté qu'il y avait le porte-clé des 20 ans d'existence de ce camp de prière dedans. Et lorsqu'il a pris ce porte-clé, il disait, par le porte-clé, il va acheter également un véhicule. Et le Seigneur l'a béni, Dieu a exaucé sa prière. Il a effectivement acheté son véhicule et actuellement il est venu dans le camp ici avec sa propre voiture. Il a également lancé deux titres fonciers pour deux différents terrains qu'il a. Par la grâce de Dieu, un premier titre foncier est sorti et il tient à remercier le Seigneur à travers nous. Quelqu'un répond, amen. Alléluia. Amen. Yo. Ah, on m'a tourné à mes dacres naï, bien on l'obé mau écou dans le lait, j'ai beau venir on l'obé, mais mau va me lever ou abe ira y occuper vieux, et y va me be venir nous vider car, et nous sera de paix yibé, y va tourner mau d'assiner mau le tuer à jibé, mau ne quoi basi jine, nous siens nous aïe nuire, quoi mau essé, ne quoi basi jine, et y devient be mariage là, et quoi me va le motif à famé. Et Fifia, Yovia, elle a tout fait. Quoi, Mauwena, Yota, Yoha, Yole, Akwe, Damnello. Amen. Amen. Et il y a également un papa qui nous recommande de remercier le Seigneur en sa faveur parce que le Seigneur l'a fait grâce. Il a des enfants et l'une de ses filles avait donc l'âge du mariage. Les processus ont été entamés et par la grâce de Dieu, tout s'est passé il y a quelques jours. Sa fille a célébré son mariage et aujourd'hui, elle s'est légalement mariée. Elle a un foyer conjugal stable et le papa tient également à remercier le Seigneur pour la vie de sa fille. Amen. Amen. Groupe musical. Thank you.
Nous allons évoluer avec la parole de Dieu en ce moment. Amen. Et depuis mardi, le Seigneur est en train de nous conduire en ce réveil spirituel jusqu'en cette matinée. Et peu à peu, nous y allons avec victoire et bientôt, la victoire sera effective. Il a fait de merveilleuses choses par le message et la prière et nous avons écouté les différents témoignages. Alors, il en fera. Et
Et ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu et prier. Et c'est après cela que le Seigneur fera des merveilles. Et nous reviendrons avec les témoignages. En ce moment, Dieu va passer par son serviteur, celui qu'il a un responsabilisé dans ce camp. Nous voulons parler du serviteur Noumovi Doji. Paul. Et quand il se lève, restons assis et accueillons le par des acclamations. Étant assis, reste assis et acclame Jésus. Alléluia. Coucou. Alléluia. Amen. Mime la fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Une fois encore, par le biais de Jésus-Christ, nous vous disons bonjour. Pour les abonnés et internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde entier, et vous tous qui êtes présents dans le camp ici, par Jésus-Christ, recevez mes bonjours. Aucune commémoration de la fête de Pâques n'est jamais coïncidée à la séance de la prière. Voici la toute première occasion où la célébration de la Pâque coïncide avec la semaine de la séance. La majorité de nos prédications, la majorité de nos chansons que nous exécutons dans la semaine ont une relation directe avec la mort et la résurrection de Christ Jésus. Il est de notre joie. Que ce réveil spirituel du mois de mars tombe sur la semaine de la Pâque. Et quant à toi, le Seigneur t'a fait grâce et tu es aussi dans le camp. Je disais que le Seigneur t'a fait grâce et tu as pris part à ce réveil spirituel cette semaine parce que plusieurs ont souhaité être dans ce camp de prière, mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'opportunité. Et tout de suite, on était en train de nous exécuter une chanson. Amen. Amen.
Et on ne doit pas se contenter de la musique, de la chanson, mais plutôt les messages, les thèmes que véhicule la chanson. Ce sont ces messages-là que nous devrions mettre en exergue parce que Jésus-Christ nous a accompli une œuvre de salut. Amen. Amen. Mia ten yejia. Est-ce qu'on peut y aller avec la chanson? Obe yesuenye jidula fia van van. Jésus est réellement le roi de victoire. Mia kwedeji agbonyati abe yesuenye jidula fia van van de ka eve. Yesuenye jidula fia van van. Mia gagbeleke. Yesu enye jidula fia van van. Epe vula yeduji. Mi achede ju. Yesu enye jidula fia van van. Epe vula yeduji. Mi agle. Bede kukuna madu mele blomola. Ne me sevegbe wa elevo. Ne sevegbe agbele la siya. Mede kuku. Mebe Yesu enye jidula fia van van, epe vula yeduji de ka eve. Mia jisigbe hajiji nene. Yesu enye jidula fia van van, epe vula yeduji. Mia jinene de ka eve. Yesu enye jidula fia van van. Epe vula yeduji, epe vula yeduji. Nya gajike de ka eve. Yesu enye jidu la fia vava. Oh, epe vula yeduji. Ade nouvan wala abe enyene. Ade nouvan wala abe enyene. Maji ha vivi one. Maji ha vivi one. Mi kwe davwa. Ade nouvan wala abe enyene ta. Eyata maji ha vivi one. Amen. 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 Ade nouvan wala abe enyene. Maji ha vivi one. Deka eve. Ade nouvan wala abe enyene. Oh, maji ha vivi one. Hallelujah, ede nouvo la benyene, o majia vivi wone. Yesu enye jidula fia vava, epe vula yeduji, ede nouvo la abenyene, majia vivi wone. Mi atreso gome jedia. Yesu enye jidula fia va va epe vula duji epe vula ye duji ade nouveau la benyene ade nouveau la benyene maji ha vivi one maji ha vivi one. Alleluia Yesu enye jidu la fia va va. Oh, epe vula ye doji. Ade nouveau la benyene. Ade nouveau la benyene. Oh, maji a vivi wone.
Alléluia, de nouveau la bénienne. O magia vivi, nuone. Alléluia, Yesu, nyeji du la fia, va, va. O epe vula, ye du ji lo, de nouveau la bénienne. Oh, Jesus. Magia vivi, nuone. Hallelujah, de nouveau la bénienne. Oh, magia vivi, une. De nouveau la, de nouveau la bénienne. Oh, magia vivi, une. Yesu enye jidu la. Yesu enye jidu la fia va va. Oh, ye pe vula ye du. Ye de nouveau la bénienne. Magia vivi one. Amen. Amen. Akpade yo le don kuna ma eye nye be o jena gombebe mi ji avivio do maudeji mi ji avivi wone. Hallelujah, mi ji avivio do maudeji, o mi ji avivi wone. Afi mi aje gombebe Yesu enye jidu la fia va va. Oh, ye pebu la ye duji. Oh, ye pebu la benyene. Oh, magia vivi one. Ah, Yesu enye jidu la fia va va. Oh, ye pebu la ye duji. Ye duji. Hallelujah. Magia vivi one. Magia vivio do maureji. Magia vivio one. Magia vivio do maureji. Magia vivi one. Yesu enye jidu la. Yesu enye jidu la fia va va. Oh, ye pebu la ye duji. Ye duji lo. E de nouveau la benyene. Amen. Magia vivi one. Yesu enye jidu la fia va va. Oh, ye pebu la ye duji. Yadujilo, adenovwa la binyene. Oh, magia vivi wone. Amen. Amen. Da gomejedia, omijo kwasipa na Yesu kengo. Acclamez d'abord le Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que gomejedia ntogro na bena. Miji ha vivio do ma deji. Miji ha vivi wone. Oh, miji ha vivio do ma deji. Oh, miji ha vivi wone. Oh, Yesu enye jidu la fia va va. Oh, ye pebu la ye duji. Ye duji lo. E de nouveau la benyene. Oh, miji ha vivi wone. Oh, Yesu enye jidu la fia va va. Ye pebu la ye duji. Ye duji lo. E de nouveau la benyene. Oh, magia vivi wone. Amen.
Amen. C'est une chanson de prière et de louange à la fois. Et tu peux chanter lentement. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
J'ai l'impression que ceux qui dirigent les prières d'ouverture ne vous passent plus ces annonces importantes dans le camp. Même s'ils vous passent ces annonces, ils ne mettent pas les points sur les i. Oh, amen. 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 La raison pour laquelle je me suis exprimé ainsi, voilà, il y en a qui attendent toujours la prédication et la prière avant de recevoir leur miracle. Voilà. Voilà. Et pourquoi toi-même qui es ici et tu suis mon ministère et à chaque fois que je commence par chanter, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Le Saint-Esprit se manifeste et quand on se rencontre encore pour un nouvel programme, c'est le même scénario. Tu es là, debout, tout droit, tu ne bouges pas, tu ne chantes pas. Je vous en prie. Ici, ce n'est pas une église. S'il vous plaît, mettons de côté nos égos et impliquons-nous dans tout ce qu'on fait dans ce camp de prière. Parce que des fois, quand on se réunit dans le temple pour la prière, quand j'ouvre comme ça la Bible et je me mets à chanter, le Saint-Esprit recommande qu'on laisse de côté et la prédication et la prière. C'est par la chanson seulement que Dieu se manifeste jusqu'à la fin. Sur ce, si vous êtes là, laissons nos égos de côté et impliquons-nous sérieusement dans ce qu'on fait. J'ai vu certains cadres de ce côté qui étaient en train de danser correctement. Mais malgré cela, il y en a qui étaient là debout, ils ne bougeaient même pas. Voilà. C'est pour cette raison que ma bénédiction doit être plus grande que la vôtre. Spirituellement et physiquement, je dois vous dépasser. Je vous ai tout enseigné comme quoi. Je vous ai donné ces exhortations ici. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il ne t'arrive pas, une fois que la chanson est entonnée, que la musique tourne, danse seulement. À l'époque, moi, je restais dans la tenue de friperie, à 0 franc dans la poche. Mais quand je vais à l'église et on commence par chanter, et la musique commence par tourner, je me mets à danser en oubliant tous mes soucis. Alors, laissons de côté nos égos. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Et il y a le groupe musical, on ne se met plus à battre les mains. Où est-ce que tu verras ça à l'époque? Et c'était la peau de la biche qu'on jouait à l'époque. Et c'est ce qu'on jouait à l'époque. Amen.
Les tam-tams du temps passé qu'on avait fabriqués avec les peaux de biche, les matinées, on allume le feu afin de les fumer un peu pour qu'ils soient plus durs. Et quand on se met à les jouer, tu dois te réjouir profondément. Tadou, mais ha kometona jiji la fille a quoi? On l'a pas mené la chite le kekevi meda, on l'a pas mené la chite à koko bebe kiji. Amen. Amen. Des fois, quand nous arrivons comme ça pour la prière, quand je me mets à chanter, le Saint-Esprit se manifeste automatiquement. Et vous allez voir les gens qui vont soulever leurs béquilles et vont commencer par marcher. Sur ce, n'attends pas la prédication et la prière forcément. Quand la chanson commence, implique-toi dedans. Implique-toi dans l'atmosphère du Saint-Esprit et ton miracle viendra te surprendre. Et j'ai eu à simplement chanter hier nuit ici. Vous aviez vu tout ce qui s'est passé hier. Je n'avais même pas encore prêché hier nuit. Parce que la puissance de Dieu n'a pas de limite ni de barrière. Nous savons que dans nos églises, après la louange, on fait l'adoration. On fait la quête et on écoute la parole de Dieu. On fait la prière de clôture. Notre intention, c'est que c'est après ou forcément après la prédication qu'il faut attendre le miracle. C'est à cela que nous sommes habitués. Mais si tu viens ici, le camp de prière n'est pas synonyme d'église. Et le Saint-Esprit nous conduit sur le chemin que lui-même veut. Implique-toi dedans. Implique-toi dedans en même temps. Yeah. Et lors de la louange, une fille qui est en train de danser correctement dans la joie et dans l'enthousiasme, Dieu sera content d'elle au ciel et va dire, mon ange, tu vois cette fille-là qui danse correctement, va lui accorder cette lourde bénédiction. Parce que la Bible déclare, heureuse la nation qui sait louer l'Éternel. Oh. Elle dit à ton prochain, reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Vous allez voir que si c'était. Dis à ton prochain, reçois la guérison ce matin. Puisque tu n'aimes pas ton prochain, tu lui as pas dit ça. Tu veux qu'il maintienne ce caractère? Tu veux qu'il soit libéré de ce caractère? Que les élus de Dieu disent amen. Écoutez. Amen. America, Emma. We are in Lafia. Oh, Towa, Agbajokpia. Ah. Agbajokpe Towa. Ah. Jamais. Oui, amen.
Amen. Vous aviez écouté hier, lors d'un témoignage ici, que quelqu'un a consigné. Amen. Amen. Quelqu'un a consigné une action de grâce. La personne disait que vers la fin du ministère, ou bien lorsque l'homme de Dieu a clôturé son ministère et il faisait encore la louange comme d'habitude, la personne aussi suivait cette louange-là sur les écrans et dansait comme le faisons dans le camp de prière. Et jusqu'à un moment donné, elle a constaté que toutes les maladies qui étaient dans son corps ont complètement disparu. Le Seigneur l'a guéri par la louange de la fin du ministère. Et celui-ci a envoyé une action de grâce. Toi, il n'est pas question de direct, mais tu es en présentiel dans le camp de prière. Vas-tu repartir encore avec ta maladie, tes problèmes, ta stérilité, ta récession? La réponse est non. Je dis,
Veuillez vous asseoir. Oh, amen. Amen. Milia. Êtes-vous là? Mimel Léodé. Micro d'Oyoyoa. J'ai l'impression que vous êtes maintenant guéri. Amen. Amen. Cela révèle que Jésus nous a complètement guéri ce matin. Oh, amen. Amen. Écoutez-moi. Au moment où il n'y avait pas le groupe musical, on chantait. Et le papa qui était des diacres à l'époque, sous qui on a travaillé, il est présent ici. Je suis devenu leader des chantres et des batteurs. J'ai enseigné aux chantres. Le chantre doit être prêt pour toutes les gammes de la chanson. Si tu es un vrai chantre, quelle que soit la gamme dans laquelle la chanson est balancée, tu vas te retrouver dedans.
Voilà, celui qui entonne la chanson, lui il a déjà entonné la chanson dans sa gamme. Vous qui allez l'accompagner, vous n'allez pas souhaiter à ce que la gamme soit changée en la vôtre. Si tel est le cas, cela prouve qu'il manque un peu de sacrifice. Parce que des fois, la gamme dans laquelle on a entonné la chanson peut ne pas être conforme à ta gamme. Alléluia. Oh, amen. Malgré que la gamme n'est pas conforme à ta gamme, tu dois t'efforcer à accompagner celui qui a entonné la chanson. Donc, de façon résumée, le chantre doit être prêt à chanter dans toutes les gammes. Ne souffre, mais ne soua, ne bobo, mais ne soigne de amen. Amenyele waye gado, mais yena omten tronakbea. Voilà, des fois. Mais le soigne dohi, adole wilo, allo veme me konelo, allo edo, manque de bonne volonté. Voilà. Et des fois, si la personne manque de souffle, elle peut ne pas accompagner la chanson dans la gamme et dans laquelle elle est entonnée, ou bien manque de volonté. Oh, migbobe, amen. Amen. Afiyo kata mi le amigbo, amen re. Amen. Ye ajito me sena e hape viviko. Et le chantre ne se réjouit pas seulement de la chanson. Et Dieu m'a fait grâce et à l'époque je dirigeais la louange. Et Amen. Alléluia. Donc, je voudrais dire que ma voix n'est pas la meilleure par rapport à celle des autres. Mais la différence, c'est que quand je commence par chanter, je me connecte directement au ciel. Je me laisse être inspiré par le Saint-Esprit. Et tout ce que je fais, le Saint-Esprit est là-dedans. Même si je souhaite arrêter la chanson, puisque le Saint-Esprit est en train de se manifester, les gens n'aiment même pas qu'on arrête la chanson. C'est ce que je voudrais enseigner la jeunesse d'aujourd'hui. Amen. Amen. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Ego meni be akbe lo Yesu akbe. E don't be one now. Voilà. Akbe lo Yesu akbe. Akbe lo akbe lo Yesu akbe. Akbe lo akbe lo Yesu akbe. Akpero, Yesu akpe. Akpero, Yesu akpe. Amen. Amen. Que le mot est akpero, akpero, nous abe, Yesu akpe. Non, mais Yesu akpe a eu gomme. Vane, Amérique, mais n'y a pas, elle avait gomme. Yesu akpe ho ele wenwe wa ma nya sese o ma vivi o ho ela ni kable tonto vo ma ji hawi babe amen amen yenti no be ajano menyi vo ajagbe ha o pe nyeme lo jina kaba mi po me wo dole fi e jina ajagbe ha nene a nyem nya nu kenti o munyi be nyem lo ajano vo Wabe haola akpasese agaka hawe Nyato be hawa agaka hae ah la lomeno maun la lomeno tanta Olekwa dava Finazia toa uma eglo. Remember that. Finibua toa uma eglo. Yesu le nko, ele megbe, ele dusi, ele miame. Yesu le nko, ele dusi, ele miame. Sinazia toa uma Praise the Lord! Hallelujah! La lomeno maun, la lomeno tanta. La lomeno maun, la lomeno tanta. Finazia toa uma eglo. Praise the Lord! Hallelujah! Oh, maybe praise the Lord! Hallelujah! Now, Messiah, make the Mauba Lomea as the never Womiako. What would I mole me abe Famia me? What were ya Ele Mauba Lome? Amen! Ele Mauba Lomelo! Amen! Ele Mauba Lomelo! Amen! But Amen, it's a sad! Amen! Olefia, Olefia!
Moi, je suis entre les mains de Dieu. La bataille commence. Avacho. La bataille s'enchaîne. La bataille commence. La bataille. Avacho. La bataille commence. Avacho. La bataille commence. Avacho. La bataille commence. Hey. Rakatakaya. Elle est kakanou. Il détruit les choses. Elle est manou. Il brise les choses. C'est tombé ta tête. Dans la réunion des sorciers. Avacho. La bataille commence. Avacho. La bataille commence. Avacho. La bataille. Bondoro Mazeta. Rakatakaba. Rababababa. Rototoro Baba. Rakatakaka. Sharababa. Shababondeta. Bona Shakataka. Londoro Bababababa. Rekete Kababe. Shatablakata. Shababababa. Avacho. La bataille s'engage. Hey, Fifi Jai. Maintenant même. Avacho. La bataille s'enclenche. La jetobe tape dans la réunion des sorciers. Oh, avacho. La bataille s'engage. Et non, y'a tombé là. Ma maman prie. Et non, y'a tombé là. Mon papa prie. Avacho. La bataille commence. Avacho. La bataille commence. Oh, vivitien. Lunda leka. Baboka kwe. Saint-Esprit. Wava. Combat. Shababa. Robababa. La bataille commence. Avacho. 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 La bataille commence. C'est. Écoute. Baba Yehowa. Déclare éternel. Agbenyela lome. Ma vie se trouve entre tes mains. Et y a ta dodo de siade.
pour cela, tous les complots spirituellement et physiquement contre ma vie, la bataille s'enclenche contre mon épouse et mes enfants, le travail que je fais, la bataille s'engage, la bataille, la bataille, la bataille, la bataille, la bataille, la bataille, Jesus. Rakata kabayana. Soka baboka taka. Bomo robo sheka taka bayana. Bomo robo sata la babi. Marakata kabayano. Bori anda la babi. Masoria kata yaka. Maloria kata yaka. Maseria kata yaka. Maloria kata yaka. Rakata Écoutez-moi. Tout ce que j'ai reçu en audience venu des pays de l'Occident et de l'Afrique, même ce matin aussi, La majorité de ceux que j'ai reçus venus des pays de l'Occident et de l'Afrique, même ce matin encore, puisque le temps nous faisait défaut, il était quelques 8 personnes que j'ai reçues ensemble, ils disaient, homme de Dieu, nous avons l'impression que c'est de nous que Dieu parle cette semaine, parce que le problème dont parle Dieu concernant l'envie, c'est ce que nous traversons avant de venir ici. Et je disais que plusieurs personnes, leur difficulté est liée à l'envie. Et si Dieu le dit, ça prouve réellement qu'il ne ment pas, parce que les témoignages le prouvent. Déclare, Éternel, moi-même et mon foyer conjugal, mes enfants, le travail que je fais, le projet que tu as formé pour ma vie, les méchants de tout genre qui m'envieraient,
éternel. Tu as promis nous remporter la victoire en ce qui concerne l'envie cette semaine. Pour cela, dans une minute maintenant, personnellement, je ne connais pas les envieux. Mais quiconque m'envie, je brise l'esprit d'envie et les envieux. Éternel, brise l'esprit d'envie et pointe ton méchant mal les envieux. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que la victoire vienne dans votre vie. Que la victoire vienne dans votre vie. Au nom de Jésus. Veuillons nous asseoir. Amen. Amen. Oh, mais de coucou, amen. Amen. Nelle tudum la fille nelle. Alors, si tu m'entends partout où tu es. Nane ke medona gurenu nuko. Il n'y a pas de hasard. Na po ay medu hara. Alors, quand j'ai entonné la chanson, on ne l'a pas chantée pendant longtemps, mais vous allez voir l'immensité de la puissance de Dieu qui était descendue. Amen. Vous allez remarquer que spirituellement, dans la réunion des sorciers, il s'est passé beaucoup de choses. Nuit d'hier, quand j'étais encore à la maison, je m'étais couché dans la nuit profonde tardivement. Sauf que la fille avait un message de nom.
Un pasteur m'a chargé la nouvelle selon laquelle un autre serviteur de Dieu ou bien quelqu'un m'a envoyé un message que je devrais suivre, écouter avant d'aller au lit. J'étais en train d'allumer le portable quand je voyais en même temps une révélation. Je voyais une maison couverte en paille. Et cette maison couverte en paille, il y en a d'elles qui sont un peu jolies et belles à voir. Celle-ci, elle est tellement vilaine. Et j'ai laissé mon téléphone Android sur mon coussin, mon oreiller, et je me suis mis à prier. Et je priais jusqu'à un moment donné, je ne savais quand est-ce que le sommeil m'avait emporté, laissant le téléphone Android à côté. Et alors ce matin, quand je m'étais levé et j'étais en train d'aller pour sélectionner la tenue que je devrais porter avant de venir dans le temple, je méditais encore au sujet de la révélation que j'ai eue hier nuit. Quand le Seigneur s'adressait à moi, que la souffrance de plusieurs et la pauvreté de plusieurs personnes est liée à leur avarice. Que l'origine de la bénédiction de Dieu lui-même, c'est qu'il aime faire le don de libéralité. Et que c'est d'ailleurs qu'il a eu affaire qui a sauvé l'humanité entière aujourd'hui. Il a offert une seule personne, l'unique personne pour le salut de toute l'humanité. Et Dieu me disait qu'il y en a qui sont dans l'abondance que certaines personnes. Mais malheureusement, elles n'aiment jamais donner proportionnellement à la bénédiction qu'ils possèdent. Et ils sont là à, et, disons, et envier Dieu. Et Dieu disait que l'homme se permet de l'envier, lui en tant que Dieu. Alors, Dieu me disait que durant quelques jours déjà, il est en train de me parler de la souffrance que son peuple endure qui concerne l'envie. Mais cette fois-ci, c'est l'homme qui se permet d'envier Dieu. Et cela s'est même passé dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, versets 8 à 9. Là où Caïn a envié son frère Abel. Les deux avaient offert leur sacrifice à Dieu. Mais Caïn, malheureusement, est allé sélectionner des mauvais produits de son champ
qu'il a offert à Dieu à cause de la convoitise et l'envie. Et en ce temps, il n'y avait pas les sacrificateurs. Et à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore les sacrificateurs, on apporte le sacrifice sur l'autel. Et lorsqu'on le dépose sur l'autel, il est consumé. Quand la fumée monte directement au ciel, cela révèle que le sacrifice de la personne a été agréé par Dieu. Amen. Après la révélation concernant la maison couverte en paille que j'ai eue, moi je me suis mis à prier contre la pauvreté, l'esprit de pauvreté. Je me demandais, mais d'où est venu encore l'esprit de pauvreté dans ma vie? Qui est-ce qu'il a envoyé dans ma vie? Et j'ai commencé par invoquer le feu sur l'esprit de pauvreté, jusqu'à ce que je me suis même endormi dans la prière. Mais cette matinée, quand je m'étais réveillé, je méditais encore au sujet de la révélation. C'est là le Seigneur me disait que l'origine de la souffrance et la pauvreté de plusieurs personnes est liée à l'avarice. Mais s'ils peuvent accepter, afin de commencer par faire les dons de libéralité, les portes du bonheur et de bénédiction seront ouvertes dans leur vie. Oh, amen. Amen. Mais de coucou, amen. Amen. Aglia, yewa, America de, America ni la. Bo, America ve chak bleme nuku begbleo. Chova savona mau. Ela ben, mau ya me duna nuyeo. Anu begbleye mau ya duna. Le. Yo ya me yo mau ira, wanyena. No be wa na no maua. Ome wane abedu lupe I mau daodo. Bon, mau le jibe ne yagba tro do de jiusan. Oh, ajebe na wonu nyene ya do reji. Les deux ont exercé leur activité. Et quelqu'un est éleveur et l'autre était agriculteur. Lorsque celui qui a fait l'élevage voulait présenter le sacrifice à Dieu, il a choisi les animaux les plus gras de son troupeau qu'il a offert en sacrifice à Dieu. Mais quant à l'agriculteur, il est allé sélectionner les mauvais produits, les produits qui sont pourris qu'il a offert à Dieu. Selon lui, ce sont des mauvais produits que Dieu, lui, il va manger. Et c'est ce qui a occasionné le malheur qu'il a eu et Dieu n'avait pas agréé son sacrifice. Ce sont les personnes que le Seigneur a bénies abondamment. Et au lieu d'offrir des dons de façon conséquente, proportionnellement à leur rang social, à leur bénédiction, ils sont là à offrir des dons qui ne sont pas dignes, qui ne les honorent pas. Et c'est pourquoi, je vous en prie, il y a une parole que je déclare. Si je n'ai pas eu la révélation, alors, je dis très souvent que si Dieu ne me révèle rien, je ne peux jamais me permettre de mentir dans son compte qu'il m'a révélé quelque chose. Parce que vous-même, vous le saviez, les samedis matins comme ça, lors de la séance de prière, nous prions concernant les problèmes d'ordre spirituel. Et lorsque le Seigneur m'avait révélé ça et cette matinée, je méditais là-dessus, il me disait, c'est moi qui t'ai parlé de l'envie dont souffre mon peuple. Cette fois-ci, c'est mon peuple qui m'envie de retour.
Plusieurs m'envient, moi Dieu. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Alors, je supplie vous tous qui êtes ici et tous ceux-là qui me reçoivent à travers le monde entier. Nous voulons l'élévation divine. Nous voulons avoir la victoire en Dieu. Nous voulons que le Seigneur combatte en notre faveur. Alors, observons l'amour que Jésus nous a témoigné. Miso et du vovovo me va fi nenye de mi kata mi le gbo la fi ya ni ha me vila ye wa gbo be ah ame abe vi de tae da ke mi abe nyona ta ma u le jiro ne tro yi du imenele me de kuku mi ja do gbera mi chire kare ha ku ki ya uta nu nana ma u la ame ade o be gome sese khone be ame elena da ma me a nous n'en avons pas lié. Yo, tu as nous doudou à on avance. Quand il peut aider, à toi, je nous doudou à balo, mais qu'elle est gardée. Et nous voulons voir à toi, nous bien aimer. Nous vieux avec vous, en l'air, voici. Et n'y a pas mal au mais les pecs plein coup. Voyez, ben on est savant. Miklandoa. Nene maquet, maou, mais les gars diva avant non colafia à promio. À moué, maou les uns. N'y a pas de bédou, mais hein. Amoe maulesa da ke nous signe au kuya yebe amado kone bene ye wonuna maula ame wonuna mbia makele mia mea enana lechi megbe oh enana lechi megbe enana lechi megbe nyegbe do dura nyibene mi jode apeli kawe ile gbaware owo na tonchi amen. Mau pe nu va vanyi be o na tonchi. Amen. Nye mesegbe ore. Amen. Nye mesegbe ore. Amen. Elle toi dit la fille. Elle toi dit la fille le segbe nye. Et tu m'entends quelque part dans ce camp de prière. Ne mi troi bible amea. Si nous revenons dans la Bible, mi akpo ele lo dodo bagbale. Nous allons voir dans Proverbe lo dodo bagbale. Le livre des Proverbes. Le dodo bagbalé. Proverbe. Et ta vie de kekpikpi blave voyene. Chapitre 11, verset 24. Mi mikrefi manam le. Français que bébé blame. Et me gbemia kre le vek bébé blame. Bon, me lek le gel le vek bébé blame. Amado nanou gede. Ke o po hodeji. Amado vea nou si le djebe wa wonu. Nous si djebe wa wola nous ke aheko woda na ka heko woda na. Nous lisons dans Proverbe chapitre 11 verset 24. Là il est écrit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Est-ce que vous me suivez? Proverbe chapitre 11, verset 24. Si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, tu dois savoir comment faire le don de libéralité.
Amen. Amen. Nunana haene yele. Il existe 4 catégories de dons. Et offrir le don dans la maison de Dieu. On veut exécuter un travail dans la maison de Dieu. Tu vas offrir le don à un serviteur de Dieu. Et tu peux même offrir un don à une personne ordinaire. Et tu peux aussi aller offrir des dons aux personnes pauvres ou démunies. Alors, ces 4 catégories de dons sont en réalité des dons de libéralité. Mais voilà, ce que nous sommes en train de dire ce matin, c'est le don à Dieu. Offrir le don à Dieu. Amen. Dites Amen. 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 Zivelia, amen. Amen. Ta mejibera ni mau blonam fifi jen ye alo fifi ye mele ponu sontia mejiba amesia mene chado vivenye nyeme elabena nu de kaye joda mede oje nyebe mina nu la fio ta flache aye ale yo gbobe no na nu akpo yayira mevana o ehe gbojo gbojo va mede ome mi le ja dogbera de nyamata ananu ne nanu mawa do la po yahira. Amen. Je voudrais que chacun de nous accorde une importance à ce que le Seigneur m'a dit concernant le don de libéralité ce matin. Plusieurs personnes ont offert des dons quelque part ailleurs, mais la façon dont on t'a fait la bouche mielleuse en matière de la bénédiction, tu n'as pas obtenu une telle récompense, raison pour laquelle tu es complètement découragé en matière de dons. Mais ce matin, nous allons prier afin de briser cet esprit. Amen. Amen. Nous devons nous voir. Alors, quand on demande d'offrir un don, tu le fais. Mais la récompense, tu ne l'as pas comme il le faut. La Bible dit, il y en a qui ont offert beaucoup et se sont enrichis. Mais quand toi tu offres des dons, tu ne fais que regresser. Amen. Ce matin, nous allons briser cet esprit. Il y en a qui ne connaissent pas ce qu'on appelle remerciement ou action de grâce à Dieu. Cela est différent de donner un don pour un travail dans la maison de Dieu. Remercier Dieu veut dire Amen. Amen. Alors demain nous allons célébrer la Pâque. Et tu vas prendre un don conséquent qui va plaire Dieu en fonction de ton rang social. Alors, tu mets cette somme d'argent qui t'inspire dans une enveloppe et tu écris là-dessus remerciement parce que le Seigneur t'a conduit tout au long de l'année et tu as encore vu le jour de la Pâque pour l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans ta vie. Ce n'est pas un prix que tu es en train de payer, mais tu témoignes ta reconnaissance à Dieu. Pour cela, vous tous qui me recevez, écoutez-moi s'il vous plaît. Il y en a aussi qui méconnaissent carrément la dîme. Alors, la dîme, dites Amen.
La dîme, c'est quoi? Nous prenons par exemple un salarié qui, à la fin du mois, perçoit un salaire de 100 000 francs. Alors, sur les 100 000 francs, il doit prélever une somme de 10 000 francs qui constitue la dîme qu'il donnera à Dieu. Et il mettra les 10 000 francs dans une enveloppe donnée et va écrire sur l'enveloppe « dîme ». Et tu viendras l'offrir à Dieu dans le temple. Ou soit, vous, dans votre église, vous avez d'autres méthodes par lesquelles vous offrez vos dîmes. Faites-le pour que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais des coucou, amen. Amen. Mais les filles, nous sommes tous les droits. 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 Et bien, je vais bien. Ko ezu feneni mele java newa owo Kristo to e gava le biamau de amagbeto abiamau ne o le biamu wa de ele jojina mawe ya le bijia mira dasi un biabiamau amerene gbona novia la haojibe mega biamau di a ton prochain cesse d'envier Dieu oh o megblene novia o mepaure. Dis à ton prochain, n'envie pas Dieu. Si tu aimes réellement ton prochain, ta voisine, dis-lui, n'envie pas Dieu. Il va le retenir. Et chemin faisant, il se rappellera qu'on lui a dit de ne pas envier Dieu. Mais de coucou, misère. Est-ce que vous me recevez? Oh, amen. Amen. Amado bianamau, kaka abiamau fametcha. Il y en a qui envient Dieu, au point qu'ils envient aussi le serviteur de Dieu. Oh, amen. Amen. Le pot de mer. Par exemple, avant ya, ni me fleu. Ce tissu, je l'ai pas acheté. Amede chona vigne. Yo vous le bene. Vous amaton ye o chovanam. Me chona tela o twen. Ni me hefeu. Bon, me le na pot de mwe. Vo amenye be me le dajeu. Avant ya me do amen yin te plo voa tam nwa voa e hochi anya popo e me do a ejem voa o melena pode nwe e ya me de ala poji jobe aw enu ya ejem ma ufa ma anya popo susu ilava na ebe e mi le po o po le ko le jaroa o le po le ko le do awa o le nya popo ntolo menye ta me susu ya enye be e jojina ya o evri adome na ebe. Ne lesia ela wena wema e nu iwa wo ta frache ne nye be miria lesi wo kule gboa egble gadi
Ah, elle est segbenye. Ah, mais de coucou, mais elle est segbenye ma. Tane me do di magba, ye me do au simple. Amede la kwe kakabe, et que papa do wan ya gbadu voa no de maje o. Loa forme wa mu so pe tonyo. O pam da de komie. Praise the Lord. Alléluia. Di po ye tayem. Ya, e vuo la vitu ki o lene, gan o lene. Ta forme ko wana le di po la, o pam da de kona doto hede. Praise the Lord. Alléluia. E non ti, ne nya mele di jok pom ye, adomele ve om nou le bia oma, on to di wele ya o. Ne nya meva magano di jok pom. E di wele o. Nyamere ya biango. Vane be ya biango. E di ola krake. Mega biamawo. N'envie pas Dieu. Mega biango amede. N'envie personne. Ay meke amede. O pop do la o. O le kotu me. O la fok pa me. O le yi le gbogbo ma. Ya mede ya la gbobe. Au. O jelana do nyak pok pon to abe. E ame ya wa. O von to lo. Vo amede po o. Ye di jo o. Yo va na wa vwa. Bone jado ne wa nyak boy la bo le no to come in kume ko cha de susu be de e ke nyowe ya mava na wa susu wa nye be o vo nto e jije me na o la fia no kamaga ona me wa o a me o vo e no bua na nu kwa ne va cho kogulum dare o vo le fia nto no bua na nu kwa e la si o vo ne la ngoku mbia to ne nye mbia be gbogbo o be ma o le bia nwe va wo nto o nye e kan yi be petit frère. Praise the Lord. Alléluia. Mais quand la fille avait gagné Caïn, il est petit frère. Qui veut être le petit frère de Caïn ici? Mais quand la fille avait gagné Abel, il y a une nouvelle. Qui veut la bénédiction de Abel, nous tous? Amen. Amen. Mettons-nous si à haut de mes. Je vous encourage et de vous fortifie avec ces exhortations. Il ne va pas faire à mon le dom la fille et ben comme mi je gomele. Ta fracha ba ya comme mi je gomele. Mi me pa pe pe den cho yo vo de po. Oh amen. Amen. Amesia me ba gbagba jeje kaka ma o po mi mi do a fille. O cha ne va va. Ai ne va po noa wa. Ai jo la vu. Na wo nu na ma wa. Bon nu si o po ne le ye chim bia na. Allez na vuji a wonu na mawa susu le gbono be o gba hiande la fia o hianu wo de ka atin to asan na mawu ba amone no ema. Oh amen. Amen. Ya enye me wona pasese enu bia bia penan nam mi do to mnyere mama dum fa me yo jesi fi made ne le don kakakaka e gato ame yo jesi mawu yira sugbo. Ayo you now let me have been come at the bed at the table. Never to a sound like fire. Never talk hot to like fire. Kaka ye ne there, ne do pegu at Dwaji. Cha 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 cha, Nenema one, Emma, let me a catabin come or don't at the tabinet of Dwajilo. Nenema one, Emma, men on a tiava globe, make awele yawe, make our mawe. Voa, a messia, make pleba menuve. Mik bondue. Vonu kaye, mejibe magbulena, melefonufo. Mawe tonambe, a mo back potole, bianguye. Aye mau amado do la tout le fou pepe me roro amado ya do de jiroho voa o venanu le nunchi o mle gbonya na me ore blo no gbonya ne a o mle gbonya ne o amen o venanu le nunchi mi gbobe amen menye nou la bola si o ken gba yo te nou vi de kale mau si beso na kifia katan yemi o mi po dede. Nesu so le gbo be nu ela bo le si ken gbo ya o le jana be ya yira o la chi megbe ma u be ma tuna mi bere am gede o ba he dada ke ba ya o le dua o mele vlo alo o mele nanu o ne ro vuji be ya wo na ma wa ma u la do re ji. Amen. Mebele na mo mebele na mo ngbale glevo ame yo kwese ya wa po be vide. Amen. Ayi wo twena menya made obe video vo echena mi katae fi o katone le na fikea ye kone lo be ya suba mau vo mete vu na jina na nu o enye na ne de na fu nao mi gbo be amen. Amen. Me de kuku be mau ne church jima nao amen.
Amen. Amen. Ye Salomo gavado kpeji le lodo do ba gbalebe amo nanu gele o po ho amado venu si jebe wa wonu ahekuda elabena gaile o si amenye benu ona na bigbon be amen amen da mi afide mo ba me wey fima enye o pe ba mo ba me o sugbo abe 2000 ye o be o le dio 50,000 ye appel de fond o toji so 50,000 100,000 ye nyam so ba dara gban me Obe se kan mi to ne note nyem note cha mo so sa mi ba dara gba me gba ba nani mle gbona ma ube ameko pata la fi anyere ja po ya yira wo amen ombio e ke obio ade nyam na ye be double vo enye mu lo be maze amado cha be dolele enye be wa yo va be me kawele ja na ga ya home ne wa ba note ne cho nu ma de tame no me wela fi do ma nanu wa ele he ya yira o de megbe mi pondo a Oklamia Mado le subo subo yo me mino nenebe. Why yo gaho me be mini otode sensa mi tode, desa mi tode, reveille amile kakavivia. Nene wa no wunwa. Voa, kokbla mi nene, alo de wa, me de kuku, keye, o ja todia, wa dwala mime. En mini oto, wa siwa ba mina o de vo. Sensa mi toba mi levo. Desa mi toba mi levo. Aye. 100 000 toba 1000 euros, 50 000 toba 1000 euros. Aye, neva do 1000 francs kudo, alo neva do 10 000 kou 5 000 dia, waya o neva. Ke ame ke ouva na kwete kwete wa oma khoya yira. Ola khoya yira ye. Eke le osi ye wan, ja, me el ame asi vo ogbe, ye ma ou la kwenene. Vone me el ame asi yo, eye ouva na sweto ke kya kya, ma ou la yire. Oh. Amen. Mebe maula yira me ya. Amen. Mebe maula yira me ya. Amen. Mele ponufo cho le glombe de. Afisi afike mile. Ye amesiame la fide. Eya le subo yebe nu. Oya ne chamba ube ya subo ha. Me gado toa mebu ke mele subo ma wu. Misi ya. Tro subo la oga trona jimena hose tau. Be mi ve le nanwe woli ya. Il va aller na kpe d'avance ami comme il y avait pasteur là au vous mie les fonu fo kaka o ho se tombe sous va les trop sous baba les trop jimeno ya menya wele trop jimeno ya lo e ya na les trop jimeno ya kaka sous sous va les ho e benya e nu ayo fi ami wa o be nane wa yira o ame ne le na oh ame ne le na ne gbanya me cha de o metuno be ne nanu ma wa me o yira na me Ma wi nebe ya subwa nene bele no message o ye ewe kla pasese alo no si jiwe kwa pasese o ma po ya yira ke yo o zia meji yo nea o ma po ya yira no nanu akuji bibia o ma po ya yira vo no nanu akujia o la po ya yira o mi gbon amen mi ne wa pet de fon le fie be mi atu e fo le tuaji ni be cameraman lo lo ala fie esoa Abe journaliste elle est au be il est bogadare kaka egal compte dine 200,000 be ya chipe ya be planigma 2000 euros de tete yemi va appel de fond be mi appeler sima ye be sort 200,000 la eva iba khoga e katanwa ke be iba khoga sovana ye be consider me susuva ne be never touch ke kwisa sa ame isuku do be diplome vo susuva va ne be never touch ke kwisa sa A ti quelque beto ça ça elle fait des caméras elle va dire d'assia et planigba de l'eau et planigba l'eau de calafibou ba appeler l'eau de calafibou ba appeler 2000 afibou bon et jogawa pour des cas que ben les journalistes ben dormir un peu que ben va panoa en nanu 200,000 là elle va quoi anigba l'eau le lome mais il n'y a vie ore va appeler de l'eau et appeler l'eau la fibou ba appeler l'eau la fibou ba appeler 2000 afibou les pour des caméras Voyez les journalistes, ils doivent aller voir, et bon, gamin, ils vont. Et là, ils vont bien, 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 Amen. Fike o minanu lele, kike go ne ame. Ye min po ya yira o. Ye be he gbojo banami. E de jile po nami. Me de kuku na ma ube ne tro ya yira o chova nami. Amen.
ne o na nu opona ya iraye ken gba mi amedoria gbogbo benyi kporo mi do gbogbo aporo do nyebe ne na nu cha le ka mo la po ya ira eto ya olayi no na nu cha eto yo ya olayi ola na nu agba ito a chite mi chire kana gbo be yehowa. Lève-toi une minute et déclare éternel. Si c'est toi qui as établi ce camp de prière, et tu as un bon projet pour notre vie, je me suis identifié maintenant dans ta parole. L'esprit de don de libéralité. Je sais que tu as encore parlé concernant. Si j'avais agi dans l'ignorance, pardonne-moi ces péchés. Les bonnes choses que tu veux me faire. Si ces bonnes choses-là ne viendraient pas à cause de mon ignorance, pardonne-les-moi. Les idées que j'ai souvent, tout ce qui anime dans mon cœur ou dans ma mentalité, et qui sont sales ou souillées, éternel, enlève-les de mon cœur. Moi, l'homme, je ne pourrais pas t'envier, Dieu. Éternel, je te supplie. Change ma mentalité et mon cœur. Alors, toutes les pensées qui m'animent dans ma tête et dans mon cœur. Lave ma pensée et mon cœur de ton sang. Lave-moi, purifie-moi. Accorde-moi un cœur de don de libéralité, un cœur qui n'envie pas Dieu, un cœur qui me provoquera du bien et d'intérêt. Mais l'homme m'a souvent au vent. J'aime te servir déjà. Mais ces choses-là qui sont en moi, tu les connais. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Priez, priez, priez. Oh, amen. Amen. Mais de coucou, amen. Amen. Ziveliake, amen. Amen. Zietoliake, amen. Amen. Le nous nuit ou on a ma oumer. Alors, pendant qu'on fait du bien à Dieu, le maoucho de nous affirma, et le gâtre de amedoula, et d'adamendia. Amen. Vu la façon dont Dieu m'a révélé la chose hier nuit, il veut délivrer certaines personnes de la pauvreté ce matin même. J'ai vu que certaines personnes devraient occuper une position, un rang social donné depuis longtemps. Mais c'est à cause de ces iniquités, à cause de ces erreurs-là que ces positions ne sont pas encore atteintes. Le Seigneur va te restaurer ta position. Déclare éternel, je te demande pardon. La révélation que tu viens de faire à ton serviteur. Si c'est à cause de moi que tu l'as faite à ton serviteur,
pendant que je me suis identifié maintenant, les bonnes choses que tu veux m'accorder et qui ne sont pas encore venues dans ma vie, après mon départ de ce camp de prière, que j'aille découvrir les signes. Que tu sois dans les quatre coins du monde. Que Dieu te délivre de la souffrance. Que Dieu vous bénisse des richesses. Que Dieu vous bénisse des terrains. Que Dieu vous bénisse des véhicules. Que Dieu vous bénisse de beaux partenaires de vie, hommes comme femmes. Vous bénissez avec des enfants polis. Pendant que je prie maintenant même, que Dieu te révèle les choses cachées. Afin que tu constates que tu es délivré maintenant de la pauvreté. Si un esprit t'empêche d'être délivré de la pauvreté, l'Éternel dévoile cet esprit. Jésus dévoile l'esprit. Kabarababaya Sota Kambaboka Rebebebebebebebeboya Marakata Kababarababeka Sontoroboboroboboroboboya Sobrandarabababarababe Makotorobo Shanta Kababarababe Lenda Babarababorinda Babarababaya Marakata kababara babara babeka. Boskoto robo chante rebebe. Marakata kababara babo. Boskata bra. Boskanda rababaya. Masanda ya braya. Londo robo chante la babe. Masoka ya braya. Borinda la babe. Le Yesu ben kame. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Mende kuku midotom. Veuillez m'écouter. Dieu ne me trompe pas. Et Dieu partage la douleur de ses enfants. Et il connaît pertinemment certains qu'il a un bon projet pour leur vie. Mais à cause de la mentalité qu'ils ont et leur cœur, son projet ne se réalise toujours pas dans leur vie. Amen. Amen. Dieu va élever encore des gens. Alors, nous tous qui sommes présents ici. Oh, amen. Amen. S'il faut découvrir les femmes millionnaires et milliardaires, tu feras partir d'elles. Ils ont troué les mains de certaines personnes spirituellement. Certains d'entre vous ont offert des dons sans jamais avoir la récompense. Et on a dit que lorsqu'on offre la dîme, on est récompensé. Tu n'as jamais obtenu cette récompense. Et malheureusement, tu t'es affaibli en matière de dîme parce que tu t'es dit que c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas Dieu, mais c'est un démon qui ne veut pas que tu aies la bénédiction. Déclare éternel. L'esprit qui s'est révolté contre ta prophétie dans ma vie. Tu as dit dans ta parole, quand on offre des dons, on aura plus de bénédictions. Tu as dit, quand on offre des dons, on aura plus de bénédictions. Et celui qui donne la dîme, la personne sera bénie. Moi, je l'ai fait, mais malheureusement, je ne fais que regresser. Un démon s'est levé contre la récompense de tes dons de libéralité. Un démon s'est levé contre ta promesse. Éternel, affronte cet esprit. Affronte cet esprit.
Éternel, un esprit s'est levé contre tes promesses dans ma vie. Tous les dons que j'ai eu à faire en Dieu depuis mon enfance jusqu'à cet âge. Depuis ma conversion, les dons que j'ai eu à faire, je dois voir les signes de ces dons dans ma vie. Si un démon empêche mon bonheur, le retour est le rappel de ma bénédiction. Éternel, restaure-les-moi. Kamba boka ya baba. Mondolo boboro papaya. Bande kantara babe. Mazori andala bayande. Barra babeka. Mazori andala bakaya. Sonta leri andabaya. Mazori andere bakaya. Kamba baba 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 babe. Ha, nyona wawo, ha, nyona wawo. Reçois tes bonheurs. Le Yesu ben kame. Dans le nom de Jésus. Amen. Dites Amen. S'il vous plaît, s'il est question de la guérison, tu es d'ores et déjà guéri. S'il s'agit des enfants, le Seigneur te donne déjà tes bébés. Dans une seconde, tu vas t'abandonner complètement à l'Esprit de Dieu et tu seras connecté à l'Esprit céleste. Oublie ton ancienne identité et sache que ce matin, tu es renouvelé et tu viens d'avoir une nouvelle connexion avec ton Dieu. Le cœur céleste. Le cœur qui aime tellement Dieu. Le cœur qui aime Dieu. Oh, Jesus. Un cœur pur. David l'a dit. Il dit, Éternel, crée en moi un cœur pur. Éternel, crée en moi un cœur pur. Que l'Éternel crée en toi un cœur pur. Le cœur qui aime Dieu. Le cœur qui fait du bien. Maintenant même. Que l'Éternel renouvelle ton cœur ce midi. Pendant plusieurs années, tu as servi Dieu.
Tes compréhensions par rapport à l'adoration de Dieu sont différentes, raison pour laquelle tu as accusé beaucoup de retard. Reçois ce cœur nouveau. Un cœur sincère. Que le ciel te le donne maintenant même. L'heure a sonné. Si Dieu, depuis les cieux, te voit sur la terre, qu'il soit content de toi. Au nom de Jésus, aidez-moi à dire Amen. Disons une deuxième fois Amen. Une troisième fois, Amen. Veuillez vous asseoir doucement. La prière que nous venons de faire pendant 2 minutes, qui sont ceux à qui Dieu a révélé quelque chose tout de suite même dans la prière. Pendant qu'on vient de prier tout de suite là, tout de suite, qui sont ceux à qui Dieu a révélé quelque chose. Ok, maman, va. Yes. Écoutez-moi. Oh, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Kakemo le dubeda. Ela tem vafa. Mpobena. Enu kempoa. Nke kwe senga kemble le sia wa kemi gbere dogbera ngba kwe de kem kwe tutugba yenyi bena kemle le sia mle se bena obe etwa dia ele do ya yao wa ambe ke la otwa dibe de defia ya ya ine le twa gbere defia baba we ninyi bena wa ko micro wa gble be ele ore ko va made la senti ala kwe be yi se be aba we a maube le ya yira me ofanya fanya. Il y a un peu de temps. Passo cole pojijo. Kule duwea. Ke ole duwe nyeria. Ma ole do ino penao. Ole trop do penao. Pata pata. Le kemi twase fifi jen. Fifi ga kemi uva le dogbera. Imle kobena. Kofia noa kemse ofia le tilepeto wa ko va le glonya. Ke papa va le glonya le fia noa. Nous sur le titre sont 12 milliards kobana. Amerit et de fiamme. De fiamme. De fiamme, on le quoi les nénés? De fiamme. Aha. Amédé Tite, so 5 millions, quoi, Bana? 7 millions. 5 millions. 5. 5 millions. 5 millions. Amédé en a 12 milliards. 12 milliards. 5 millions. Amédé en a 5 millions. Amédé, il y a Irak, on le dit, on le dit, on le dit, on le dit, on le dit. Voilà. Ceux qui bénéficieront de ces lourdes bénédictions, ce sont eux qui reçoivent la délivrance. Toi aussi, tu feras partie d'eux. Shata. Narababoka. Fifia ke bele nini ya. Amo ko chole jila ko ya ira. Npo amo ouve le video bo compte. Garak pepeng bale compte. Video compte akpata so vale na. Amo ame ko le jila ira. Ouve le video bo compte. Opa le video abe compte. So vale savon. So vale na mao. Be yo akpo ya ira. Ok. Fifia ame do ya salaire ko ukwa. Zile ko so vale na. Fifia nde le jo. Obe nyare bele di le Afrika be jume ku vudi be jume. Ou bien l'Afrique a besoin de jouer, et jouer le fond de tout, ou bien milliardaire ou sous le fond de tout,
Amen. Mekawele afie pastor agbon de fi anami o. Mi sugbon. Me ji magbon benade. Ne gbe me ku en diwa ndo le japoto. Amen. Na mo ba di dase ye o ya me poto o so a. Ni so igbon na le jakere to o ji. Amen. Nyati magbon ko yin me gagbojo. Dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Dieu ne trompe pas l'homme. Dieu le fera accomplir certainement. Mais Dieu a besoin de quelque chose de la part de nous. Il est battu moi ça va. Bédé, le type veut dormir. Ma ou toi ira y pleuvoir. Vous, il est maniable que ma ou est où. Nous si mélé brigne ben. On dit y a ni mega fia nuko. Gardons mais metina te fia na nuko. Vous on dit y a me roué. Yo wa etu enam. Ame yo atu de dona mea. Wak boy metio nuko bori. Amen. Yes. Okay. Alors, le frère dit que ce matin, premièrement, il a reçu un message au cours duquel le Seigneur lui disait que le camp de prière a plusieurs besoins. Mais ceux qui recevront la révélation de ces besoins et viendront faire une quelconque réalisation dans ce camp de prière seront abondamment bénis au sein de la société. C'est le premier point. Deuxièmement, lorsque l'homme de Dieu chantait ce matin, il dit, il a vu les serviteurs de Dieu qui dansaient et qui se réjouissaient. Le Seigneur leur changeait de position et renouvelait l'histoire de leur vie. Et troisièmement, il dit et qu'il a aussi vu qu'une personne a offert une somme de 12 milliards à ce camp de prière. Et la deuxième a offert une somme de 5 millions à ce camp de prière. Et quatrièmement, il a dit qu'il a vu plusieurs personnes qui sont devenues des multimillionnaires et milliardaires à travers le monde entier, et spécialement dans le continent africain. Et lorsqu'on aborde ces genres de personnes, on lui dit que ce sont ceux qui viennent à Kpove. Les gens qui viennent régulièrement à Kpove pour prier, ce sont eux que le Seigneur a rendus multimillionnaires et multimilliardaires.
Et l'homme de Dieu déclare que le Seigneur le fera accomplir certainement dans la vie de ses enfants qui ne seront jamais découragés de venir dans ce camp de prière. Parce que les gens ont simplement offert des demi-lots de terrain à ce camp de prière. Et aujourd'hui, ils ont plein de lots de terrain un peu partout. Et un jeune homme aussi était venu entre-temps ici. Après un enseignement, il a une inspiration d'offrir sa moto qu'il utilisait déjà. Il a aussi hésité. Mais lorsqu'il est rentré à la maison, il fit un temps, il est revenu offrir cette moto. Mais après, dans l'intervalle de 2 mois, le Seigneur l'a béni par un moyen et il s'est acheté une nouvelle voiture. Cette matinée, je ne me suis pas levé volontairement pour l'enseignement, mais c'est le Seigneur qui l'a recommandé à travers la révélation qui m'a faite. Et tous ceux-là qui vont la recevoir et mettront en pratique cet enseignement, vous aurez les bonnes récompenses dans votre vie. Amen. Amen. Midotum. Écoutez-moi. Mais quand je viens voir mon hoho, la fille, le tiré, mais il y a à me virer à l'eau sous de quoi quoi. Et bien, ben, on va passer. Il y a un jeune homme. Il va passer, il va y avoir, mais quoi. Il va y aller. Va les juifs. Mais où y a un amour, les pouvez. Mais c'est bien, tu as mon vin à les pouvez. Un noir. Mais quand j'avais à. Il a mon domaine, il est sévère, Bobal, et tout n'est bien et tout. Il est mon tonna. Il est à. B. Et moi, Kebena, et là, il est tout là, bah, il est ok. On a nous, il est encore, et là, bah, il est ok. Le Kadia, le T, et ton père, il est nous, top, blé. Apprenti à me ou les siens, apprenti au Joka, pour toi, me vin. Mais 2020, il est au vague bonnet. Ya mere kple va be o ke no jode ji are e va gbe na nyen to ma be a o ye ami kona da se didi ayo gbonya na ye yom duda yem mu kwa me a o yem senya yem ba je ne gbogbo ma o be gbogbo le ko pastor a ma ten gbonne ne ma e la be na bible be ya yere de na me ho ta enu pepe ye fo na nu pepe na me nu veve pepe le jinye tututu a mais bon, il y a des gens qui ont été là. Oui, c'est là. Les clubs, il y a des gens qui ont été là. Il y a des gens qui ont été là. Il y a des gens qui ont été là. Il y a des gens qui ont été là. Il y a des gens qui ont été là. Il y a des gens qui ont été là. Il y a sa voix, il y a un peu de temps, il y a sa voix. Il y a trop de temps, il y a sa voix, il y a sa voix, il y a sa voix. Et trop de voix, après nous, il y a sa voix, il y a sa voix. 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 Il y a praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Enya yakem legbona mi fifia. Yakem legbona mi a. De kaya gbato ko apprenti o kaka 12. Apprenti 12. Aye, tu magia. E nyamba gesi son. Yemba to donane. A lui be don ka from yakpo mi abe khogan me a. Ho tru achito wele san. Mi batro wa lui e yo keken. Rencontré. Il a répondu non, les faits. Et j'ai dit non. Si d'autres ont reçu l'onction pour maudire, le Seigneur a aussi accordé une forte onction à certains pour briser leur malédiction. J'ai prié pour le jeune homme. J'ai fait des déclarations positives sur sa vie. Dès son repas, lorsqu'il est reparti à la maison, quelqu'un a acheté une voiture. Et la personne a eu l'inspiration de l'offrir son ancienne voiture. La personne l'a appelé et lui a dit, je viens d'acheter une voiture et l'Esprit de Dieu me pousse à t'offrir gratuitement ma voiture. La clé lui a été remise. Le jeune homme n'était pas du tout convaincu de cela. Il est retourné chez le propriétaire de la voiture afin de s'enquérir concrètement
de la nouvelle du don de la voiture qu'on lui a fait. Le propriétaire a dit non, c'est vrai ce que j'ai fait, c'est un don que je viens de t'offrir gratuitement suite à l'inspiration que j'ai eue. Et après cela, il a encore embauché des apprentis au point qu'aujourd'hui, il a encore 12 apprentis. Lui-même, après la voiture qu'on lui a offerte, il s'est aussi acheté une nouvelle voiture. Et c'est à travers cette occasion-là que moi, je l'ai connu et il est venu dans le clan ici, nous avions donné des chantiers, il a travaillé, il a renouvelé les portes de ce camp de prière au niveau du grand bâtiment à étage. Et je vous dis, nous qui adorons le Seigneur, nous n'allons pas regresser, mais nous allons toujours évoluer, évoluer, évoluer. Maman, nous sommes des filles au Fufijan. Je peux parler français? Oui. Qu'est-ce que Dieu vous a révélé dans la prière? Ah, d'accord. Allez. Et je suis un peu enrhumée. Essayez. Tout à l'heure, quand le papa priait, et il avait dit que les gens envient Dieu. Donc, quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu qu'il y avait une grande croix ici. Et Jésus-Christ était sur la croix et le sang coulait. Et quand il a dit que ceux qui ne donnaient pas les dîmes n'ont qu'à se reconnaître et venir à Dieu dans la justice, dans la vérité, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui se sont agenouillés devant la croix tout en pleurs pour se reconnaître qu'ils sont pécheurs, qu'ils vont se ressaisir. Là, j'entendais une voix qui disait « Je suis l'agneau immolé pour toi, pour te racheter. Si tu me suis dans la sainteté, dans la vérité, je te bénirai comme tu n'auras jamais cru. » Et j'entendais la voix là me dire comme ça, et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Je dis, Seigneur, nous sommes des pécheresses. On te vole chaque jour. On ne te donne pas les dîmes. Pardonne-nous. Tu as cette année, moi je me suis dit spécialement, les Pâques que je faisais toujours, cette année est une Pâque spéciale. Amen. Et que j'ai reconnu seulement mes péchés. Et je sais que Dieu est mort sincèrement pour moi. Amen. Et je Amen. Demande à tout un chacun de nous de se reconnaître, car on ne trompe pas Dieu. Et c'est là que j'ai vu les lumières, ces lumières blanches étaient devenues tout bleu, bleu clair, et ça jaillissait sur tout le monde. Amen. Amen. Mia noa le blombe, ayi meke maupa mea, ele wonu fe fia na mi le mudia. Ebado domeria iba kpo atisoga ganda le nkogbe la fi. Eye ye kpo be atisoga di la okan mi apeto Yesu Kristo de eji. Ayi meke wo le blombe na amedo lea o me ganana enu ewolia o. Ne mi aten de jesi mi ado kyo, eye mi atro jimea. Mau la so kemi, eye ne mi na nu wolia to ya o mea. Mau ayira mia. Ebe ikpo be amegbogbo do va die ko den ko gbe la fi le Yesu Kristo be ati so gara ngo ye ikpo be na ehua ele jade wo ji eye o le cho bo nu von so le keo le ima me zere ka ile se gbe ale po na ibe eye yenye ale bi sike wo wude miata be na to ye be ku ya mela mi a po agbe pele cho cho ke be ame yo le se nya le nutia eye wa wode ji la cho egbe ji la wa po ibe ya ira ya ira ale gbegbe eye ya ya ike ya koro ji a wa nto go ha o ma susui apo pere o ta le ya o me a ye ha i wo chan chan be na cho azon ji la azon li azon gba pele ma wu la anye nya te pe be azon li nu te pe o be azon li anu ko di fe azon li amen amen mele bio mama be fika be so be yeso America, l'État, New York, mais la maman, elle est venue de New York, des États-Unis. Aye, maou de noa fi, elle est dopé, nous kaye, maou bona ma dive, ame wa doto, ye watonu soumi fia, ade dormela, be ya yiro kaka wanto wabang lobe, et la be ya yira le java kme wo. Mek bonabe, mama, America beso. La maman vient des États-Unis. Non, c'est la première fois. Oui. C'est la toute première fois pour la maman de fouler le sol de ce camp. Pour que Dieu confirme.
qu'il ne trompe personne. Mettez en pratique ce que Dieu m'a donné. Amen. Toi aussi, tu feras partie des multimilliardaires de l'Afrique. S'il faut parler des braves femmes, des braves hommes de Dieu qui craignent le Seigneur, qui l'ont adoré dans la vérité et qui sont devenus des multimilliardaires, tu feras partir d'eux. Dieu confirme l'enseignement de ce matin par des révélations. Alléluia. Amen. Et Georgina, maintenant, je vais vous dire. Ma ou de nufia, le me kemi le dogbeda, a pale blobena ne nibe bokbode le zi a medeme ya yara de tua, yeme kponyon vide be dua ou ble. Pou du toleke, yeme ju pou pwa me gwetu me kwa trok ponyon viti sa me sis nideka, e ja pou ju kwa van notero, a mede kwa va me kume mou le zenyo, va a me anya me reke ben yin tele kwa, yeme kume kwa bene so noa dare, kwa de noa tola kwete me e ga kwete, et des porte-monnaie à tout quoi parce que daro à mes quoi mes cabanes sont des neba poudre neba jo quoi neba trop poudre et moi mes quelqu'un me tente de bien dodo là n'y a pas les dodo bien me le suivre nous que oh le ou avant mes cabanes sont noires les darena me le dit à mes amis à mes amis qui me voient nous tel quoi ils me comment et des filles ben amis après toi et le corps mes amis nous sont les nami et mon poli des filles mais des nions nous vire pour du sang mais des ben nous va darena va daré des filles ben à amis Tous vos biens que les ennemis ont pris en otage, que le Seigneur les dépossède de votre bien. La sœur dit dans la prière, à un moment donné, lorsque l'homme de Dieu a commencé par déclarer tous nos biens que les méchants ont volés et se sont accaparés d'eux, que le Seigneur nous les restitue, elle a vu une fillette qui courait et traversait le temple. Au même moment donné, elle a vu un homme et dont la physionomie brillait tellement, elle n'arrivait pas à regarder dans sa physionomie. Et elle a eu l'impression que c'est notre Seigneur Jésus en personne qui avait arrêté la jeune fille à demander à ce qu'elle sorte ce qu'elle avait dans le porte-monnaie. Ce qui a été fait, et cela révèle clairement que nos biens que les méchants ont volés ce midi, ils nous les ont restitués. Oh, amen. Amen. Mais de coucou, amen. Amen. Dia, mais ben, amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yenti, allez, de défia vabe, amadeo senwa gome. Va y tsaoupe nous, ma mle si ou le aussi. Va le vos sana mau. Wou to aussi ke natin wou. Ne me jirado den chi fifia o e jebe na twere do kyoji be mawo nya ya sike tore u kancha maten wona mawo amesia me laten we le dope ke mawo nenu se mimazi jiwo dakera mawo nya eva mawo ye fonufo nya dia fole mawo ba for tope awo nya dia fole mawo ba for tope. Alléluia. Amen. Et nous sommes maintenant prêts Amen.
Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Nous avons besoin de plein de logements dans ce camp de prière. Nous venons d'élaborer encore de nouveaux plans. Et nous avons 2021, yemi wa appel de fond 2022 mea mi chova ple instrument ye yo na tuaji yenye appel de fond mi ba ole tuaji po de ko mi wona do mi agbo be mi ada pe na mau ne no si o kata mi wona be do ne 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 va le po tuaji le tronke ke yin keke a mi mele bien de ko voa wa we mi gba cho le do awo mi po ho ga ya le ngbe do me fi ya mi me wa appel de fond vo mi le tuma na nya be mi le wo do na mau. Oh, amen. Mais on va doli ezo ampoule ventilo ko no fi ami jesi o san o doli o keken la gbadon me o troba wo chateau que la fille a me ko le hoga me san o vana ya ko be chibe nya duna no funa mi san vo fifi a esi balé soa mi za ga plus de 20 millions nene plus de 20 millions nene ye mi za mi so we vo mi mo appel de fond elle a ben no ko le jokwa mi so le wo doa. Donc amado be susoenye be nu kaya ya gba ho edula wonu na mawo mi gbo be amen amen da me de kuku gande na mi mi vuji fia e jisikene le ja cho wonu ala ape mechonu amen le imau de nu afia ne jo fifi je wonde amen we troya kwa. I think secretariat never one day. Awo. I think throw in agbova never one day. Ela be mauya gbevo. Eba me you watch the door na me only work but abe de. O makpo ya ira kakala nglobe ha. Mele jijimbe de. Uleti igbona. O manya fi ko gbo galo ava gare vula fia. Amen. Amen. Mele jijimbe leti yo len gogbona. Driver ne ku va toji la fia. Amen. Maune de ole hohayame. Amen. La siame owe la sawa mo. Amen. Na mome le sawa amone va chojo le vima. Amen. Ye kenye maupe jiji, yenye maupe lononu. Ne le dode me, amome le yinko, oya yinko. Yehova ne yidami. Que l'Éternel vous bénisse. Ne ode gomea. Ah, pedala ho, alo ame yokpana miyaba pedavo sabe nyogwa, wacho. Alors, en fonction de la révélation qu'on vient de recevoir lors de l'enseignement, je voudrais vous exhorter encore à poser un pas en suivant les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la révélation, il a dit que ceux-là qui ont pris en considération le message de ce matin et qui n'ont rien, mais qui se sont efforcés à investir quelque chose dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur les bénira abondamment. Sur ce, je vous invite à faire quelque chose dans la maison de Dieu, pas dans la grande tête, mais avec un cœur de libéralité. Si vous le faites, le Seigneur vous bénira abondamment. Ici, dans ce cadre de prière, nous ne contraignons personne en matière de dons. Après le ministère, les remerciements se font gratuitement et volontairement. Et c'est depuis 2021 que nous avions eu à faire un appel de fonds ici. Et en 2022, nous avions acheté les équipements de sonorisation avec cette somme d'argent qui constituait l'appel de fonds que nous avions fait en 2021. Et depuis ce temps-là, on n'a plus fait un quelconque appel de fonds dans ce cas ici. Le grand bâtiment qui est en construction derrière, on n'a fait aucun appel de fonds avant de lancer ces travaux de construction. Tout ce que vous faites comme don dans le camp de prière ici, c'est ce que nous investissons dans la construction de ce camp de prière. Entre-temps, nous avions renouvelé les brasseurs, les ampoules, les portes. On a renouvelé beaucoup de choses, de même au niveau du château. Et auparavant, ceux-là qui sont au niveau du grand bâtiment seront qu'on a un problème d'eau dans le robinet. Mais actuellement, ce problème est complètement réglé. Sur ce, faites quelque chose pour que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Nemi cho hade donc kunu mo vijibe menno asinyo vo me pona jijo
Amen. 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 Pour ceux-là qui n'ont rien et qui s'attristent, souvenez-vous de mon exemple. Et dites-vous que l'homme de Dieu a vous dit qu'auparavant, lui aussi, il n'avait pas. Mais quand il allait dans la maison de Dieu, il ne s'attristait pas. Il se réjouissait de plus. En le faisant, le Seigneur te bénira prochainement. Ma wale vi le jipo Bubu wana sa Bubu wana Bubu wana Bubu wana Bubu wana Ma wale vi le jipo Bubu wana Bubu wana Amen. Amen. Voilà. Dis à ton voisin, ne fais plus ça le soir. Danse au Seigneur.
Amen. Oh, mais de coucou, amen. Amen. Ta wetro ya ga adia. Ce soir, à partir de 18h, nous allons encore commencer la prière. Et on clôture à 21h pile. Demain matin, de 8h. À partir de 8h. Edoko habeti dulaka ene tira kebe yadujipe e viawo efoye hallelujah efoye amen amen ta mi ma wo nyebe witroya e hayoke ceux qui ne connaissent pas la chanson que nous venons de chanter, levez les mains. Je ne voudrais pas qu'on triche les gens demain. Amen. Amen. Yeah. Amen. Siamela jiha. Bigbo amen o. Amen. Ye na jira wu hewado. Juku vi hewado. Amen kom le ja no to ya jiwa. Enu le ja ite onto. Mille regrets aux absents. Praise the Lord. Alléluia. Yesu ne yirami. Que Jésus vous bénisse. Mi chitere mi aba fo oji. Veillons-nous lever. Miabe osofo dagaji ayirami. Sarababa.